Where do you start if you want to change the world? And with everything moving so fast, how do you change it for the better? Is it by seeing a nation become energy self-sufficient? Helping charities to be as productive as businesses. Perhaps cleaning up industrial pollution is what drives you. Will your legacy be to preserve the past for future generations? Or giving hope to those who had lost theirs by using their talents to give them a livelihood. Big changes like these can start with something small, like asking better questions. Never thought about it like that before, questions that can give unexpected answers to help solve some of the world's toughest challenges. The kinds of questions we ask at EY. So where do you start if you want to change the world? You start right here. Merci d'être là au nom d'EY France. Je suis ravi de vous accueillir tous et toutes aussi nombreuses et nombreux ce soir pour cette quatrième édition du T-Day. Je crois qu'on a réussi à faire de ce rendez-vous un incontournable autour de ce sujet complexe, passionnant, excitant même, qui nous mobilise autour de la transformation. Je crois que nous allons avoir quelques ajustements dans le déroulé, mais la richesse, la stature, la profondeur, la diversité des intervenants et des témoignages que nous allons avoir ce soir feront que, je pense, nous allons passer une heure et demie, peut-être un peu plus, ensemble, qui seront absolument passionnantes. Donc je cède immédiatement la parole à Jean-Christophe, notre partenaire de la tribune, Jean-Christophe Tortora, qui va nous en dire un petit peu plus sur le déroulé de la soirée. Merci Eric, bonsoir à tous, vous êtes nombreux ce soir pour cette quatrième édition du EY T-Day. C'est vrai que c'est l'occasion en ce début d'année, puisqu'on attaque non seulement une nouvelle année, mais cher Eric, une nouvelle décennie, où nous sommes pleins d'incertitudes, mais avec quand même des ambitions et des convictions. Ce soir, je vous prie d'excuser le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui était avec nous ici l'année dernière, qui est encore à 10h ce matin, est avec nous, mais... vous savez, dans le domaine de l'aérien, on dit que quelquefois dans les cabines, je m'adresse à Ben Smith, il y a de la pression dans les cabines, mais en ce moment, il y a un peu de pression à Matignon. Donc, devez se tenir, vous avez certainement dû entendre l'actualité du jour, une réunion très importante ce soir avec la majorité. Et donc, Bruno Le Maire se prie de ne pas être avec nous ce soir. Néanmoins, la magie de la soirée fera que s'il n'est pas avec nous, vous repartirez chacune et chacun d'entre vous avec lui, puisque la tribune a réalisé un entretien de lui il y a juste avant le week-end. Et donc, vous repartirez avec un excellent journal et avec un très grand entretien où nous parlons de politique économique, mais également de politique écologique. Vous verrez que Bruno Le Maire, bien sûr, appelle à un nouvel appareil productif, des sujets, bien sûr, qui seront abordés par nos grands témoins de cette soirée. Je tenais quand même à dire que Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, se joindra à nous tout à l'heure durant la soirée pour bien entendu marquer la présence du gouvernement dans cette EY T-Day qui est devenue, c'est vrai Eric, un rendez-vous attendu. Alors,
cette année, pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière, nous avions choisi parmi les transformateurs de l'année Alexandre Bompard, qui était venu parler de la transformation du groupe Carrefour, pas évident dans le secteur du retail. Et je suis très heureux qu'avec la rédaction EY, nous ayons choisi finalement des femmes et des hommes qui non seulement ont marqué l'année 2019, mais vont véritablement marquer l'année 2020. Je pense bien sûr à Ben Smith, et je le remercie de sa présence ici, parce que finalement, ce qui est fabuleux dans le transport aérien, c'est que quand vous pensez que tout va bien, mais le pire peut arriver. Alors bien sûr, Ben Smith nous parlera tout à l'heure de sa façon de manager, dont aujourd'hui tout le monde parle, qui a permis de trouver certainement un apaisement social dans ce grand groupe, avec une ambition d'en faire le premier acteur européen dans le transport aérien, mais également, bien entendu, face à l'imprévu dans le transport aérien, avec aujourd'hui le coronavirus, comment tout cela il appréhende. Nous recevrons Patrice Kane, celui qui a bouclé une des plus grosses opérations l'année dernière, Gemalto, et cela permet aujourd'hui au groupe Thales à pointer à 20 milliards d'euros avec plein d'enjeux industriels sur beaucoup de métiers. Une femme également, grand témoin de cette soirée, c'est Valérie Masson-Delmotte, justement puisque nous parlerons d'écologie, bien sûr, et du climat qui est dans les bouches en ce début d'année. Valérie Masson-Delmotte, éminente reconnue au sein du GIEC, directrice du CEA. Non seulement elle nous parlera bien sûr des enjeux et bien sûr de la pression climatique dans laquelle nous sommes tous engagés pour la prochaine décennie. Bien sûr, il ne s'agit pas de parler que de la transformation des entreprises, nous parlerons de la transformation de l'État avec Odile Renaud-Basso et Bernard Giry. Voilà, je tenais simplement de conclure, cher Eric, parce que le EY TD, c'est bien entendu pour nous tous l'occasion de prendre des engagements, de se transformer devant vous. L'année dernière, nous avions lancé notre nouvelle formule de la tribune. Dans un contexte, je vous rappelle, de Gilets jaunes, on avait fait le choix que la tribune hebdo, c'était dorénavant un premier cahier sur la transformation, un deuxième cahier sur les territoires. Et je tenais à remercier la rédaction, puisque ça nous a permis quand même de connaître une croissance d'audience. Les résultats médiamétrie sont sortis vendredi de plus de 30% de croissance d'audience, ce qui est une bonne chose et ce qui montre votre fidélité. Mais ce que je souhaitais, cher Eric, est devant vous, prendre un engagement pour 2020, un acte de transformation, c'est que je crois qu'il faut réconcilier aujourd'hui les Français avec l'économie. Je crois que les nombreux débats, les nombreux blocages, les difficultés de notre pays se rencontrent souvent par ce manque, paraît-il, que les Français sont fâchés avec l'économie. Et donc, à la tribune, nous avons décidé cette année d'engager un grand débat national de l'économie qui débutera le 27 avril à la Halle Fraissinet, puisque Xavier Niel nous y accueillera. Et nous allons mener, cher Eric, ce grand débat national de l'économie partout dans les 13 régions françaises. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons une France forte, une économie forte, réconcilier avec les entreprises, il va falloir faire plus de pédagogie, créer plus de ponts intergénérationnels entre les jeunes et les moins jeunes. Et je crois que c'est un grand défi que nous lançons. Et cher Eric, j'espère que EY sera à nos côtés. Parce qu'il va falloir ensemble que nous menions ce combat et que nous partagions l'économie avec tous et pour tous. Merci. Et bonsoir à tous. Je suis Jeanne Duceuil, je suis journaliste au journal La Tribune, vous l'aurez deviné. I believe that all companies are agents of transformation. Cette citation que j'ai choisie pour vous nous vient de Guilherme Leal, qui est milliardaire brésilien et actionnaire du groupe Natura, le groupe cosmétique, un géant de la cosmétique au Brésil. Et bien sûr, j'ai choisi cette citation puisque les agents de la transformation, comme il le dit, c'est vous ce soir. Et on espère que nos échanges vont vous faire réagir. Pour cela, on a un fil Twitter. On vous invite à réagir avec le hashtag EYTday. Nous sommes également en direct sur le compte La Tribune Events Twitter, donc qui est l'activité événement du journal La Tribune. Voilà, on vous invite à réagir donc ce soir sur ces deux plateformes. Et Jean-Christophe le disait tout à l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir notre premier invité. Il est soumis à la pression de la transformation. Il s'agit bien sûr de Ben Smith, CEO de Air France KLM Group, in English, maybe, et qu'on peut applaudir.
So thank you being here. We agreed to do it in English, but if you want to switch to French, it would be, I think, no problem for our audience tonight. Je vais faire un effort, un petit effort. It's been 2 years since you've taken the position at Air France KLM. So much has changed in 2 years. At La Tribune, we like to identify the new economic powers, who are the key factors who are pushing for change. And for you tonight, especially for corporates, these key factors, we have identified five new powers, and I think you are facing them, and Air France is challenged by those powers. Also, I know that you have a bachelor in economics, so we are in between passionate people of economics. So for you, those challenges are new customers, new Green Deal, new disputes, new innovators, and we talked about it, new governance. That would be the five new powers you are challenged with at Air France. Je pense que je vais oublier deux de ces. Non, vous n'oublierez pas, je pense pas. Donc si j'ai oublié, tu vas me renseigner. Shall we start with the... Un petit peu en anglais. Premièrement, merci à Eric et Ernst & Young, Jean-Christophe et La Tribune, et Monsieur le ministre et Bruno Le Maire, qui n'est pas ici, et Jeanne, merci à vous. So, and all of you, merci à vous tous. So start out, so I've been at Air France KLM for 18 months now, and it's been a big adventure for me being in France. It's been a lot of new experiences that I, you know, have never been through in my life, but they've all been extremely positive. Now I can say that, I'm still here. So, you know, I was trying to write down these questions really quickly. So I think the first one you said was new economic power. Was that the first one? Okay, so the new economic power. So, you know, I'm in the airline business, so pretty straightforward. We're in transportation. We take people from A to B when there are no strikes. So it was, I mean, all of you know the last 6 to 8 weeks in France have been extremely challenging, you know, with buses, with subways, with you know, railway, as well as the high-speed train, all being on a reduced schedule or completely, you know, stopped 100%. Very happy that our group, and in particular Air France, was in a position to run 100% of its operation every single day. Throughout that difficult period. So I would say in terms of transformation, and I might go a little bit backward from the questions and the way you positioned it, in terms of transformation, none of this would have been possible without a complete change in the relationship that Air France has with its frontline staff, its salariés. And this was for me, it was the number one priority when I arrived was, you know, first of all, the company was in a big crisis with zero trust, zero respect, no transparency, and as La Tribune would know, no confidentiality. All of the, everything that was going on inside Air France, I think, you know, many of the people in the media knew ahead. So, all to say that that was number one priority, and I'm very pleased to say that we're making good progress there. So you've jumped into the news, so I will too. You've recently closed all of your flights from and to China because of the virus crisis, obviously. According to a note provided by UBS, you are with Lufthansa, the most exposed airlines to Chinese market and Asia, where you operate a joint venture with two Chinese airlines. Will all the economic damages be considered by the group? Your stock is already shaken at the stock exchange Air France. So what would be the damages for the group? It's a little bit soon. So the group has 7.5% of its revenue exposed in Asia.
And that's to not just China, it's Japan, it's Thailand, it's Korea, many countries. So far, obviously, we've only shut down our operation into China. We don't expect to shut down operations to any of the other countries. We're going to decide in the next couple of days how much further we're going to go. As of today, Air France KLM, we have announced that we will not be flying to Beijing, Shanghai, Wuhan, that's Air France, and we have three other cities out of Amsterdam with KLM. We've stopped all flying till February 9th. We will decide tomorrow if we're going to extend that shutdown and for how long. There are still quite a few carriers that are serving Beijing and Shanghai, but in terms of the economic impact on the group, it is a little early to say. One thing that is offsetting that economic hit is that the price of jet fuel has come down considerably. So when we look at what our expense is going to be for the future or for the rest of the year in terms of what we were budgeting, it's quite a good saving. So whether that'll be able to offset fully the the less or the lower revenue that we're going to see, to be determined. But I think it's a bit too soon for me to comment on that. Keeping the topic on Chinese, behind it's the question of the middle class, which is a new economic power. To be honest with you, I woke up today morning in an airplane, Air France airplane, and I think we can say that now the middle class is more demanding. They want a good service and a great experience from A to Z. So how are you addressing this new economic force, the new middle class? You have competition in China with the Chinese airlines, but what is your strategy towards the new middle class? We have quite a number of strategies that are aimed at ensuring that Air France, Air France KLM, that we are ahead of our competitors in terms of attracting this new wave of customers, the next generation of customers, as well as many of you that have, that have changed or, raised your expectations on what an airline can offer. And I would say the number one challenge for us and what we're seeing our customers are looking for is more personalization. So each of you, as opposed to us only offering one, two, or three different options, be it class of service or, a fare, an airfare if you fly on day one or day two, we want to look at you as individuals as best we can. So with that, we need data, we need processes, we need programs that can predict what we can offer you that is more valuable to you and that can also make more money for us. So what is the value proposition? And this is actually quite exciting. We're very lucky that we serve 100 million customers a year between the group. So we have a lot of customers. We have a lot of the preferences already, within the group. We try to understand why is it you need to travel for business? What would help improve your experience? Is it, more mobile or app-based technology? Is it a better experience through the airport? Are you willing to pay for additional services, for ancillaries that are above what our base offer is? How do we better customize so you get more value out of what it is that we offer? And I think we're in a very good position to do that. And then we have, we have customers, be it new middle class and new markets or, new members of within France who do not or have not traveled extensively in the past. And, many of you, I'm sure speak with younger people who the experience is so much more important than the actual trip, and travel is much higher up on their list of desires than perhaps would have been the case a few years ago. And this is very very new for us, and it's quite exciting. And I'll just put one more point in here, which is very key, which is our loyalty program, Flying Blue. Here again, this is a great platform for us. When customers have so many options for loyalty programs, I think the partnerships that Air France KLM can build with Flying Blue are probably much more powerful than other loyalty programs out there. And I was surprised to see that just after the safety announcement, the traditional ones, you have now some kind of messages towards the environment.
you are turning on several messages of reducing carbon emissions, recycling plastics just after the safety traditional announcement. So it's a new conscious, obviously, of the customers. You've signed up in 2017 an agreement with the French government, where we are hosted tonight, for a green growth. You will have to suggest a new engagement on this matter by the end of June this year. It's a new engagement you will take. Can you tell us a bit more about them? Sure. I mean, we're quite proud of what Air France KLM has done to date. We haven't done a very good job of articulating or, you know, verbalizing what it is we've done. So first off, I don't think I would suspect that many of you don't know that Air France KLM holds the number one position on the Dow Jones Sustainability Index. We're quite proud of that. We have already committed to reducing our carbon footprint by 50% between 2005 and 2030. We already have proactively put in place an offsetting program in France for all domestic flights. We have stopped operations on some very short sectors, Paris to Brussels, Paris to Strasbourg, where we now have partnerships with the train. And we've recently reduced some of our service between Amsterdam and Brussels as well. These are just a few of the initiatives we have in place. We've recently signed an agreement along the value chain within our industry to come up with a way to speed up the introduction of biofuels. So we've done that with Airbus, with Safran, with Suez, as well as Total. So this we just signed last week in front of a brand new A350. The A350 consumes between 20 and 25% less fuel than its predecessor technology. So the way we look at what is it that we can do that, you know, quickly brings down our carbon footprint, the number one available option for us is to purchase new airplanes. So our ask to the government and to anybody who puts taxes on us is help us put that money towards research and development for new technology and put Air France and Air France KLM into a position to replace its older generation aircraft with new airplanes, new technology. So we've already made a huge investment. Just last year, 2019, we placed an order for 60 new Airbus A220s, which, as I said, 20 to 25% lower emissions than the aircraft they're going to replace. And we've augmented the already big order of 28 A350s. We've added 10 more, and we made the decision to early retire our Airbus A380s. So those decisions in totality, when you look at what that's going to do to reduce our carbon footprint, very expensive on our part, several billion euros, but at the same time, it's significantly reducing what we do. So we need to articulate more what we do. I think there's a big misunderstanding that we are not responsible. We do have an enormous amount of customers that continue to want to fly. We do not see a reduction in demand. And also, we are the number one employer, Air France in Ile-de-France, and KLM is the number three employer in the entire country of the Netherlands. So we have a big economic positive impact in both France and the Netherlands, and that also needs to be balanced out with some of the other considerations. So you are actually advertising on those efforts. I have to say. In the plane as well, as I've seen, and some of them I wasn't aware about it. But at the same time, it's obvious that it's hard to shrink the flight shaming movement. It's such you could advertise a lot, but it's as if the old crowd would not listen to what you say. So how can you make this message clear? If it's not repeating all the time or advertising, what do you think about the flight shaming? Will it stop by itself with your efforts, or has to be more? Well, I think I'll start out. It's new for us, this flight shaming phenomenon. It's new for all airlines. I think, as I said in just my last reply here, is we don't see a reduction in demand. We actually see an increase in demand for long haul. There are no alternatives
say to fly, like reasonable alternatives to fly between, let's say, Paris and Los Angeles. We see an increase on all long-haul routes where, you know, it doesn't make sense for us to fly short-haul. I mean, don't forget the SNCF has been in operation, what, 40 years in France. We've already seen a huge shift from aviation to train in France well before this this flight shaming. But I think, you know, new technology, for us to buy new technology, so new airplanes, you know, that type of risk that we're taking is a huge investment. And I don't think it's recognized. I don't think the actual positive impact that that provides is well understood. And that we do take, you know, our role in trying to reduce emissions very seriously. We have 85,000 employees that have families, that have friends. They want to feel like they work in a responsible industry and in a responsible company. You know, we have the number of suggestions I get from my colleagues as to what we can do to reduce our footprint goes far and above what we get from others outside of the company. So if you speak to any of our pilots, of our cabin crew, you know, our maintenance colleagues, you know, management colleagues, they are all working probably harder than some of the people that are trying to shame us in ensuring that, you know, their lives, their jobs, and their own personal conscience is, you know, is well looked after. Maybe we are talking about personalization and innovation. It's another economic power I wanted to talk about. It's the startups and the innovation. So it's a big topic, how the big groups are handling their relationship. But maybe tonight you could give us an example of how innovative you try to be with a new service, a new startup. Is it small businesses who are helping you to innovate and to offer new green growth or other new services? I mean, we have all kinds of you know, new initiatives that you know, we're putting in place thanks to startups or thanks to innovative companies, big R&D companies. I think one of the ones that I'm most excited about is predictive maintenance. So we have technology on board our 787s, our 777s, that provide unbelievable predictive information to our maintenance staff, so that when airplanes arrive back at CDG or at Schiphol, information about, you know, things that need to be fixed, a lot of the things that would have taken a lot longer to find on, you know, regular checks have already been transmitted to our maintenance staff. And this is great. You know, the information that can be provided electronically, digitally, is a big step for us. I would say also, you know, I mean, there's so many things that we're doing, but when you run an airline where the seats are perishable, so every time an aircraft takes off, the seats you haven't sold, you know, evaporate and you get no revenue for it. At the same time, if you oversell your aircraft, you may not be maximizing on the revenue because you could have held back and gotten more revenue close in. And in many industries like hotels, you know, revenue management is such a key component to the success of an airline that the systems that we use are usually looking behind. They're historically based revenue management systems. So we are working with quite a few startups on how to predictively figure out what is the best way to manage our revenue. And I guess a great example would be, you know, if let's say you do a lot of flying today, and let's say you move to a new job, and we say, well, where did Jan go? You know, she doesn't fly anymore. But who replaced you? And how do we get that person into Air France KLM? This is, you know, with the data and the information that we have, we don't do that today, but that's one quick example on what some of the startups that we're working with are trying to figure out. On the business model, it's an interesting side, because I wanted to ask you about Joon and Hop, who are the two brands who were supposed to respond to the low-cost company coming into the market. I've read some point of views of yours on the low cost. Can we consider the low cost as an innovative business model? You were talking about filling the seats and empty seats as well. So, how do you consider your competitors in the low cost market? First off, the low cost model is not new. It's not. You know, it was started by Southwest Airlines in the early 1970s, and then it has grown throughout the world. And this base model that Herb Kelleher started in Dallas
in the early 1970s. It's pretty much the same, hasn't evolved much since that creation. Very simple products, sales in a direct channel as opposed to going through intermediaries, very quick turnarounds, selling anything extra over the base ticket price. So first off, at Air France KLM, when I arrived, we had five brands. So as you said, KLM, Air France, we had Hop, we had June, and we have Transavia. And June was an interesting concept. I think the challenge for the group was in which the way it was deployed. It was done in such a way that it broke the confidence between the corporation and our cabin crew at Air France, and it broke the trust and confidence between Air France and some of our customers. It was a product that was not well understood. Whether the economic model worked or not, the break in trust between the company and both those two groups was such that there's no way we could move forward with that brand in a positive way. So we negotiated the stopping of June with our cabin crew into a way that we could capture all of the savings that were assigned to June to begin with. So that was positive. And then on the pilot side, Hop was set up to be positioned as a low-cost carrier. With the types of aircraft that we have at Hop and with the complexity we have at Hop, we have five different aircraft types, we have three different maintenance locations. The main role of Hop is to provide traffic from smaller cities and connect at our Roissy hub. So it's like a regional type of operation, very similar to what Lufthansa has, what all the U.S. carriers have. And what Hop is doing today, and we're trying to streamline it, is Hop is not only doing that, it's also flying small routes out of Orly to secondary markets in France where Air France cannot support service. And on top of that, it's flying what we call transversal routes that don't touch Paris. So to have a model that works for all those three is difficult. So when you look at Air France in its totality, you say, really, there's two main objectives for Hop. We need a connector to Air France, and we need routes into Orly. Yes, of course, we have other requirements, but the brand proposition has to be clear for two out of the three of the objectives. So it was clear for us that it was confusing for customers, especially international customers, and that we needed to settle on one. And like our other competitors, we decided to reverse the branding and make it Air France. And then the last point, because I'm talking a lot here, is Transavia. This was really key. This is the low cost that we have in the Netherlands and in France. And in France, we had a limit of 40 airplanes. And when Transavia was started a few years ago, there was a big strike at Air France, and only 14 airplanes were agreed to with the main union at Air France. Then it was risen to 40 airplanes, another big strike. So we wanted to ensure that we had the flexibility to ensure we participate in the low-cost market. So we've negotiated this year a complete removal of the cap in an amicable way with our pilots, and now we can grow Transavia to whatever number we want. So we got streamlined the offering, three brands, Transavia, Air France, and KLM, and ensure we have the flexibility with all three brands to do what makes sense. I will take just 1 minute for the final economic power I wanted to challenge you. It's we don't know you much since 2 years. We try to understand what kind of CEO are you? Are you trying to give back powers to the employees? Are you changing the governance inside? It's really about putting the employees first now and giving him power back. Are you this kind of new CEO? I'll try to do this in the few minutes that we have left. No, I would say, I'm lucky that I work in an industry that, I'm very passionate about, so I can relate to quite a few, of my colleagues. I like every part of our industry. For me, that's just lucky. For me, it's, I'm lucky that I got this opportunity, and I've had that my whole life. It was very clear what I wanted to do when I was young. So as soon as I had the opportunity to work in the industry, started at 16 when I worked part-time in the summer. So this is the only industry I know. And many people in aviation, especially pilots, this has been their dream since they were, a child to fly. So I work with a lot of people who feel the same way.
So that is an immediate connection, and it's not only here at Air France KLM, it's at most airlines. But what I experienced when I arrived here in France was the level of, I'd say, engagement and pride that Air France employees have, KLM as well. But here in France, I've never seen this before. I mean, it is such a high level of pride, and it's a huge asset. That how can we use that asset in a way that can make our company stronger? So that's something that I put a lot of effort into, making sure we have as much engagement as we can, and we do that through transparency. Share as much detail as we can. I don't want our staff to learn about what we're doing outside of the company. I want to make sure we're very, very clear. Try to ensure that our governance model evolved. When I got here, it was not clear how decisions were made. We're a big group. My role now is the head of the group, so I have no unique role with Air France as opposed to with KLM. This is new. We have a third brand that is very clear now. But as you say, what are my unique ways of approaching running Air France KLM? It's, I think, number one is getting our employees to feel like they are assets. When I arrived, the employees at the group, many of them felt like lines on a P&L. And when you're in a customer service business, it doesn't work. It's the Air France brand, the KLM brand, both of the brands are extremely powerful. And when you look here in France, we're just doing a study today on a new campaign, publishing campaign for the future. Everybody who want, all the agencies that want to work with us, like ourselves, they all are aligned that the Air France brand is the most valuable brand in France and should be much more valuable. So, as I said, our people are our brand. If they feel like they're the brand, if we treat them like they're the brand, we will definitely improve. And I think you're seeing that over the last year, the engagement we've had, it's a level of stability at Air France, which it's very reassuring, and I'm really proud of the teams for doing that, and I hope we can continue. Thank you very much, Ben Smith. I think we can applaud Ben. Et donc, je vais céder la parole à Michel Cabirol, rédacteur en chef Industrie et Services au journal La Tribune, que l'on peut applaudir également. Merci beaucoup. Merci, Jeanne. Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'une entreprise qui est au cœur des enjeux de l'aéronautique, de la défense, de la sécurité, notamment numérique. On va parler aussi de cette société qui est Thales, une pépite française au cœur à la fois de la souveraineté française et au cœur de la transformation des entreprises, notamment numériques. Et pour en parler, j'appelle Patrice Ken, son PDG. Bonsoir. Finalement, la transformation des entreprises, n'est-ce pas un effet de mode ou c'est vraiment quelque chose de sérieux ? Écoutez, en ce qui nous concerne, je pense qu'on peut dire effectivement que ce n'est pas un effet de mode. Les entreprises, comme d'ailleurs tout être vivant, ont en permanence besoin de s'adapter à son environnement, aux mutations qu'elles traversent ou qu'elles rencontrent. En ce qui nous concerne, c'est souvent les mutations technologiques qui ont, je dirais, soit précédé, soit accompagné nos propres transformations. Et dans le domaine de la transformation numérique, puisque c'est un peu le thème de ce soir, en fait, cette transformation numérique, chez nous, a été déclenchée par une transformation technologique préalable. On fait beaucoup d'électronique chez Thales, on est très connu pour l'électronique. L'électronique a connu une révolution il y a 15-20 ans, en passant d'un monde analogique à un monde numérique, fait de plein de composants. Et ces composants génèrent énormément de données, des 0 et des 1. Et c'est, je veux dire, cette transformation numérique que nous avons accompagnée pour nos propres produits, équipements électroniques, qui nous a amené assez naturellement à se poser la question de l'utilisation de ces données qui étaient quelque part un espèce de trésor caché, finalement, qui était là,
et se poser un ensemble de questions. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment les stocker? Comment les rapatrier? Comment sécuriser ces données, etc. Voilà. Et c'est un peu, je veux dire, ce cheminement intellectuel, hein, encore une fois, hein, largement, je dirais, influencé par ces mutations technologiques qui nous ont amené il y a 4-5 ans maintenant à accélérer sur au moins 4 technologies du numérique, hein, que sont l'IoT, la connectivité, hein, parce que la première des choses, c'est quand vous avez des données, c'est quelque part les rapatrier, les stocker pour en faire quelque chose. Puis ensuite, c'était les traiter, en tirer du sens, comme on dit, hein, alors que ce soit dans le big data ou le cran d'après, finalement, qui est l'intelligence artificielle, hein, ou je préfère parler d'autonomie, d'ailleurs, hein, comment donner l'autonomie à ce que nous faisons dans l'apprentissage ou dans la prise de décision. Et puis la quatrième, c'était c'est la cybersécurité. Voilà, parce que ce monde connecté, qui est bourré de logiciels, qui manie des données, qui commence à prendre des décisions pour les uns et les autres, si on ne pose pas la question de l'intégrité des données, des algorithmes, etc., je dirais, un jour ou l'autre, ça va s'effondrer. Voilà. Voilà pourquoi on s'est focalisé sur ces 4 grandes technologies et comment on a abordé la transformation numérique en ce qui nous concerne. Justement, quelle est la méthode, Patrice Ken, pour mettre en place la transformation numérique d'un groupe tel que Thales? Quand on a, encore une fois, commencé cette réflexion, comme souvent dans le milieu scientifique ou de la recherche, on est curieux, on regarde autour de soi. Voilà. Donc on a été voir effectivement ce que certains acteurs avaient commencé un tout petit peu avant nous. Alors des gens pour lesquels on peut trouver des points de ressemblance, comme GE par exemple, hein, qui avait entamé une transformation numérique il y a 7-8 ans maintenant, je dirais. On a regardé des gens comme IBM ou comme Accenture, plus ou moins, avec plus ou moins de similarité avec ce qu'on fait. Deuxièmement, je pense que on s'est forgé notre propre conviction et surtout on n'a pas cédé, je dirais, aux effets de mode. Hein. Et souvent dans l'entreprise, quand on a un problème ou une thématique nouvelle, on nomme quelqu'un pour s'en occuper. Puis comme ça, voilà, c'est réglé. Voilà. Et donc la première chose que j'ai décidé, c'est surtout de pas nommer un CDO, un Chief Digital Officer. Voilà. Ce n'était pas évident, parce que quand vous n'en aviez pas, vous étiez ringard, hein, il y a quelques années. Il fallait absolument avoir son CDO pour être vraiment démontré que la transformation numérique était, je dirais, bien maîtrisée par l'entreprise. Donc la façon de faire, on a plutôt créé non pas un officer, mais office, c'est-à-dire en fait un petit bureau avec un nombre de compétences pour regarder et comprendre ce que voulait dire la transformation numérique pour Thales, que ce soit vis-à-vis de ses clients, dans ses produits, mais y compris dans ses processus internes, dans le fonctionnement de nos fonctions, etc. Et puis, troisième temps, on est parti d'une feuille blanche. Et ça, c'était une décision, je dirais, clé. Plutôt que de rassembler ce qui était plus ou moins numérique déjà dans Thales, on est parti d'une feuille blanche en créant 3 Digital Factories. Désolé pour tous les anglicismes, mais ce monde est bourré d'anglicismes. Hein. Qui est un concept assez bien, je dirais, normé dans ce monde du numérique. Une à Paris, qui quand même, la France reste le cœur du groupe en termes de R&D. Une à Montréal, en Amérique du Nord, qui est sans doute un des endroits les plus connus pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle, hein, avec des instituts très célèbres comme Ivado, Mila, etc. Ce n'est pas la Silicon Valley, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et puis une troisième Digital Factory, à Singapour, en Asie, qui est un endroit, là aussi, je dirais, très épris de nouvelles technologies, d'innovation, et avec un vivier de talents très, très important. Donc, on est parti d'une feuille blanche, avec cette Digital Factory, qui a eu pour effet immédiat, de créer une plateforme numérique pour nos propres besoins. Deuxièmement, se mettre à faire ce qu'on appelle des MVP, des Minimum Viable Product, donc vraiment des produits en cycle très court, hein, quelques semaines, là où dans nos domaines c'est plutôt quelques années. Donc une façon, je dirais, de concevoir les choses de manière totalement différente. Une académie du digital, parce que là c'était quelques centaines de personnes, mais le groupe c'est 80 000 personnes, dont 30 000 chercheurs. Hein. Donc, le passage à l'échelle, évidemment, est une question clé. Et puis aussi un incubateur interne et externe en étant présent, par exemple, dans des lieux comme Station F,
pour là aussi bénéficier de l'innovation ouverte sur ces domaines. Et justement, quels sont les retours sur l'expérience que vous avez après avoir lancé ce chantier, je crois, au moins il y a 2-3 ans, et quelle est la façon dont les équipes ont réagi et vos clients ont réagi par rapport à cette transformation? Alors, les retours, je vais essayer de les catégoriser. Peut-être les ingénieurs mettent toujours des catégories. D'abord, comme retour, je dirais assez immédiat. D'ailleurs, de manière étonnante, on ne l'avait pas forcément anticipé à ce point. C'est un retour d'image qui a été immédiat et très positif et très important pour le groupe. Alors, l'image, oui, et alors bah, en termes d'attractivité, typiquement, hein, parce qu'on est en plein dans la guerre des talents sur ces talents rares, ça a été extrêmement bénéfique et de manière immédiate pour le groupe. Et puis, ça a été aussi, en termes d'image en interne, une façon, je dirais, de challenger ou de mobiliser, hein, je disais, les équipes d'ingénierie, c'est 30 000 personnes, voilà, qui trouvaient quelque part une source d'inspiration d'inspiration avec cette Digital Factory. Deuxième chose, retour, a été les premiers MVP, là aussi. Donc on n'a pas attendu des années pour avoir des retours, mais plutôt de l'ordre de quelques mois. Avec le lancement, j'ai pris des exemples pour essayer d'illustrer ça de manière pratique, de Marketplace. Hein, une dans le domaine de l'aéronautique, puisque Ben Smith est là ce soir, pour mettre à disposition de toutes les airlines une marketplace pour tout ce qui est pièces de rechange. Voilà. Là où traditionnellement, hein, ça fonctionnait à base d'emails ou d'appels téléphoniques en urgence, une marketplace. Une autre marketplace pour mettre en relation les pilotes de drones et les gens qui avaient des besoins en matière d'utilisation de drones dans le civil. Cartographier un endroit, faire des photos, surveiller une infrastructure. Voilà. Vous n'avez pas besoin de posséder les drones. Par contre, mettre en relation l'offre et la demande, voilà, deuxième marketplace qui a permis de générer assez rapidement du trafic et donc des revenus. Troisième temps, qui prend, alors lui, c'était plus quelques mois, mais un peu plus que quelques mois, si je puis dire, c'était de mettre dans nos produits, pour le coup, les produits traditionnels, composants numériques, des caractéristiques numériques. Un bon exemple est l'intelligence artificielle. Comment on met de l'auto-apprentissage, finalement, dans des produits comme des radars, comme des sonars, comme des pods, pour effectivement faire de l'auto-apprentissage de signatures acoustiques ou de signatures électromagnétiques dans ces domaines-là. Je peux plutôt prendre des exemples militaires, mais on peut prendre des exemples civils. Et puis, quatrième temps, alors lui qui prend un peu plus de temps, c'est, mettre au point des offres qui sont des vraies ruptures par rapport à ce qui existe. Mettre de l'intelligence artificielle dans nos produits, ça devient des différenciateurs, c'est pas forcément des ruptures. Une rupture, ça va être, par exemple, dans quelques années, et on y travaille, là aussi, je suis resté dans le thème de l'aérien, puisque Ben Smith était là avant moi. Comment on va pouvoir optimiser, ou être un de ceux qui concourent à optimiser, restons modestes, les trajectoires des avions en temps réel. Accessoirement, c'est un enjeu écologique qui est très très important, puisqu'effectivement, si on peut, alors d'un point de vue théorique, on parle de 30% d'économie, si on était capable d'optimiser ces fameuses trajectoires, des avions, le bénéfice économique et écologique sont totalement alignés sur ce genre de sujet. Comment on peut aller plus loin après avoir une telle démonstration? Qu'est-ce qui reste à faire? Énormément de choses. C'est une transformation très profonde, hein, d'une entreprise. Hein. D'abord, on a, en termes de formation ou de reformation, un travail très important à faire, non pas seulement sur les gens qui font de la R&D chez nous, hein, mais y compris pour, par exemple, les forces commerciales. Vous ne vendez pas des offres as a service comme vous vendez
un produit, je dirais, traditionnel. Donc ça, c'est une transformation très profonde et ce que j'appelle moi, un passage à l'échelle qui forcément va demander du temps. Là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur un claquement de doigts. Et puis, ça va aussi prendre un peu de temps pour que cette transformation, qui est autant chez nos clients que chez nous d'ailleurs, se mette elle aussi en place. On voit bien que le fait de passer, je prends un exemple un peu caricatural, d'un processus d'acquisition très traditionnel chez un certain nombre de nos clients, qui consiste à mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, pour faire une spécification de besoin, voire une spécification technique, faire une consultation, dépouiller la consultation, etc. Ça prend un ou deux ans, parfois 10 si vous allez chez des clients comme en Inde, par exemple. Bref, ça prend du temps. Et puis partir dans un cycle de développement qui va vous prendre 4 ou 5 ans. Comment on va passer d'un modèle, aujourd'hui comme ça, à un modèle beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, où vous êtes sur des processus d'acquisition qui ne parlent pas d'une spécification technique, mais du besoin client. Voilà. Être ce qu'on appelle user-centric, et non pas, je dirais, centré sur celui qui directement est en train d'acheter tel ou tel produit, telle ou telle solution. Vous avez évoqué au début de notre entretien les données comme un trésor caché. Quelles sont les prochaines mines d'or ? Alors, je pense que vous allez nous citer le quantique, certainement. Quelles sont ces mines d'or que vous êtes en train de prospecter ? On en a plein. Hein, on en a plein. Mais on pourrait parler du quantique hein, que vous citez. Finalement, le quantique, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comment on utilise les propriétés de la matière, les propriétés quantiques de la matière dans nos domaines. Bon. C'est quelque chose à expliquer qui n'est pas forcément facile parce que le monde de l'infiniment petit est totalement déroutant. Vous constatez des choses qui sont totalement contre-intuitives par rapport à ce qu'on connaît à notre échelle macroscopique. Dans le domaine du quantique, pour simplifier, hein, il y a 4 grands pans de recherche des grands groupes. Hein. Aujourd'hui, un qui est très connu, puisqu'il fait l'objet de beaucoup de publications, y compris dans les meilleurs journaux, qui est le quantum computing, hein, qui est un domaine qui est aujourd'hui probablement le plus incertain en termes « va-t-on y arriver un jour ?» hein, donc on parle plutôt d'une dizaine d'années au moins avant d'y arriver. Quand vous interrogez les meilleurs experts, certains vous disent même « si on y arrive ». Mais au-delà de celui-là, il y en a 3 autres qui sont très intéressants parce qu'ils ont des applications, pour le coup, à beaucoup plus court terme. Le second, donc, c'est tout ce qui est quantum sensing, ou l'application des propriétés quantiques de la matière au capteur, à la métrologie, ce qu'on mesure. Hein. Je vais vous donner des exemples là aussi pour illustrer. Le troisième, c'est tout ce qui tourne autour de quantum communication, donc vraiment appliqué au monde de la communication. Et puis le quatrième, je ne vais pas en parler, c'est celui de la simulation quantique. Si je regarde les deux que j'ai cités, sur lesquels on voit des applications à 3-5 ans, dans nos domaines, c'est assez court d'ailleurs, hein, c'est assez court terme, on va, pour le coup, au sens propre du terme, vers une vraie révolution et pas une transformation. Puisque, en fait, grâce à ces fameuses propriétés quantiques de la matière, on va pouvoir améliorer les performances des capteurs, des senseurs, d'un facteur 100, 1000, 10 000, 100 000, voire 1 million. Alors, dans l'industrie, quand on arrive à s'améliorer de 30%, c'est super, hein, 30%. Là, ce n'est pas 30%. C'est 100 fois mieux, 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux. Alors, je vais prendre des exemples aussi pour essayer de faire toucher du doigt à quel point c'est une vraie révolution. Vous prenez aujourd'hui une centrale inertielle à bord d'un avion. Une centrale inertielle à bord d'un avion, faites un Paris-New York. Si vous ne recalez pas la centrale inertielle, hein, qui vous permet de vous positionner dans l'espace, hein, finalement, quand vous arrivez à New York, la précision, ou l'imprécision plus exactement, va être de l'ordre du kilomètre. Hein, donc vous êtes sûr de ne pas vous poser sur la bonne piste.
avec effectivement ces technologies qui sont à base de ce qu'on appelle d'atomes froids. On ne va pas faire d'équation ce soir, c'est promis. On pourrait, hein, si vous souhaitez. Ça permet d'arriver avec une précision de l'ordre du mètre, sans recaler la centrale inertielle. Donc vous trouvez ce facteur 1000 d'amélioration entre le kilomètre et le mètre. Ce qui va permettre, on va dire, ça sert à quoi ? Évidemment, d'améliorer la safety, puisqu'effectivement, dans un cas où l'avion perdrait sa capacité de se positionner avec des systèmes extérieurs comme le GPS, des systèmes autonomes, comme ces centrales inertielles de future génération, aura une précision, j'allais dire, démoniaque de l'ordre du mètre sur un vol transatlantique. Un autre exemple, pour sortir de nos marchés Thales, c'est la capacité à mesurer des variations du champ électromagnétique aujourd'hui inégalées. Alors, ça se fait avec des structures diamantaires, vous posez des atomes de carbone, un à un, et puis vous créez un trou, on en enlève un, et puis vous mettez un atome d'azote. Cette discontinuité dans la matière va vous permettre de mesurer des choses que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Application dans le médical. On sera capable de mesurer des choses avec 100 fois ou 1000 fois plus de précision que le meilleur IRM aujourd'hui actuellement disponible au monde. Donc des applications dans le monde de la santé absolument potentiellement incroyables. Troisième et dernier exemple, qui est probablement celui-là un peu moins mature que les deux premiers, hein, qui est dans le domaine des communications. Donc je sors du champ des capteurs dans le domaine des communications. Depuis tout petit, on vous apprend normalement que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Sous-entendu, vous ne pouvez pas, je dirais, passer une information d'un point A ou un point B plus vite que la vitesse de la lumière. Sauf que dans le monde de l'infiniment petit, eh ben, ça ne marche pas comme ça. Dans le monde de l'infiniment petit, on parle de particules qui sont intriquées, sous-entendu, qui restent, je dirais, en association étroite, combien même elles sont éloignées d'une certaine distance. Je simplifie, là encore, cette intrication de particules leur permet de communiquer de manière instantanée, indépendamment de leur distance. Donc si on va un cran plus loin, je resimplifie cet exemple, ça vous permet d'imaginer, à un moment donné, d'avoir des communications instantanées. Qui dit instantané, dit impossible d'être intercepté, donc inviolable. C'est ça que ça veut dire. L'instantanéité, en fait, vous amène à avoir des communications qui sont inviolables. Et ça encore, ben, là aussi, c'est une véritable révolution. Voilà. Donc, oui, Thales travaille sur ces domaines-là. Je veux dire qu'aussi, la France et l'Europe, c'est une question qu'on pose souvent, est-ce qu'il faut se désespérer par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou dans des pays comme la Chine. On a parmi les meilleurs chercheurs au monde dans ces domaines-là. Hein. La France, ces 20 dernières années, a eu 3 prix Nobel dans différentes sous-disciplines de la mécanique quantique, dont un des 3 d'ailleurs chez Thales, hein, dans le domaine de la supraconduction et la magnétorésistance géante. On est dans ces domaines-là parmi les meilleurs au monde, chez la France, l'Europe, et en tout cas un groupe comme Thales. Il y a vraiment une place pour nous de leader dans ces domaines-là. Et justement, toutes ces révolutions, elles arrivent quand ? Elles arrivent dans un an, 5 ans, 10 ans ? Alors, ce dont là j'ai parlé, c'est entre 3 et 5 ans. L'exemple que j'ai donné, la centrale inertielle, je l'ai pris à dessein parce que pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir voir ce que c'est dans nos laboratoires à côté de l'école polytechnique à Palaiseau. Voilà. Nous avons une centrale inertielle à base d'atomes froids qui tourne. Alors, ce n'est pas encore avionnable, hein. Ça demande à être un peu compacté encore, mais ça marche, ça existe. Voilà. Donc, il faut probablement encore 3 ans pour arriver à un stade industriel, mais ça marche. Le deuxième exemple, c'est plutôt 5 ans. Et puis, le troisième, c'est plutôt au-delà de 5 ans. Mais en tout cas, ce n'est pas inatteignable. On va conclure sur cette question. Comment un groupe comme Thales
arrive à rester dans la course face à des géants américains, voire chinois, et sur des sujets aussi pointus? Alors c'est une question qu'on pose aussi sous l'angle des GAFA, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la taille, mais aussi des mondes qui sont a priori pas les nôtres. Qu'on prenne les GAFA ou les usual suspects, ceux qui sont déjà dans notre monde mais qui seraient par exemple beaucoup plus gros que Thales, je pense que pour différentes raisons, là encore, on a les moyens, moyennant certaines conditions, de rester dans une position de leadership mondial. Si je prends les GAFA, ils sont beaucoup plus gros que nous, ils ont des moyens que nous n'avons pas. Pour autant, la plupart d'entre eux sont dans le monde du B2C, pas du B2B. Et du coup, d'abord, sur des marchés qui sont beaucoup plus grands que les quelques marchés où nous sommes, qui sont très exigeants, avec des clients très exigeants, et puis qui ne sont pas dans des marchés safety critical, qui sont critiques pour la sûreté de fonctionnement. Et ça, cette simple phrase a énormément de conséquences. L'utilisation de l'IA dans un monde B2C, où si vous vous trompez, ce n'est pas grave, si la suggestion que vous fait tel ou tel site de e-commerce n'est pas la bonne, ce n'est pas grave, si Facebook ne reconnaît pas la bonne personne sur votre page d'amis, ce n'est pas grave. Par contre, ça, ce n'est pas possible dans les mondes que nous servons, l'aéronautique, la défense, la sécurité, la cybersécurité, etc. Et quelque part, ça veut dire que l'utilisation de cette technologie, en fait, n'est pas la même entre les GAFA et nous. Et utiliser de l'IA qui ne soit pas explicable, ce que font les GAFA tous les jours avec du deep learning ou du machine learning, bien sûr qu'on l'utilise, mais ça ne sera jamais applicable dans des applications safety critical. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous travaillons sur d'autres branches de l'IA qui sont caractéristiques de nos métiers et sur lesquelles d'ailleurs les barrières à l'entrée sont très élevées. L'autre catégorie, ce qu'on appelle les usual suspects, des acteurs qui seraient ou qui sont objectivement beaucoup plus gros que Thales. Voilà, vous trouvez plein de choses dans la littérature, entre effet de taille d'un côté et agilité de l'autre. Je pense que finalement, ce n'est pas ça qui fait la différence. Dans nos métiers, sur nos sujets, ce qui va faire la différence, c'est à quel point nous sommes soutenus, dans les pays où nous sommes présents, par, je dirais, des clients ou des clients publics ou l'État. Vous voyez bien qu'on est sur des domaines de recherche où l'entreprise privée ne peut pas financer tout le risque, elle n'y arrive pas tout simplement, lié à ces recherches. Et le fait, parce qu'on est en France, parlons de la France, que la France consacre des moyens importants, que ce soit au travers des soutiens, ce que j'appelle sectoriels, prenez la DGA pour la défense, la DGAC pour l'aéronautique, le CNES pour le spatial, ou des soutiens transverses comme les différents PIA, ou le CRI de l'import-recherche, est vital pour des groupes comme nous. Et je dirais, le niveau technologique qu'on est capable d'atteindre est assez bien corrélé avec le niveau de soutien d'investissement public dont nous bénéficions en France ou dans les autres pays où on est implanté. Merci Patrice Ken. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Et maintenant, j'appelle Philippe Mabi, directeur de la rédaction de La Tribune. Merci Michel. Bonsoir à tout le monde. Pardon, c'est le petit calage. On a un peu de retard, vous en doutez, mais en même temps, je devrais d'abord remercier Michel de cette magnifique interview de Patrice Ken, passionnante, avec plein de perspectives de changement. On a beaucoup parlé du secteur privé avec Ben Smith, avec Patrice Ken. On a parlé de transformation du secteur public. Et pour en parler, j'appelle à me rejoindre sur scène, et ne prenez pas le petit tabouret, ça sera pour moi, bien sûr, Odile Renaud-Bassot, directrice générale du Trésor, qui est ici. Bonjour Odile. Mettez-vous au milieu si vous le voulez bien. J'appelle Hervé de la Chapelle, qui est associé chez EY, responsable du secteur public France. Et enfin,
Bernard Giry, qui est conseiller numérique, innovation et recherche auprès de la présidente de la région Île-de-France. Bien, on va commencer avec Odile Renaud-Basseau. Bonsoir, madame. Vous êtes la première directrice du Trésor, donc j'ai le plaisir de vous interviewer. J'ai eu la chance de pas mal connaître le Trésor à l'époque où je fréquentais plus le Trésor. J'étais un Bercy Watcher, comme on disait. On disait que le Trésor, c'était l'écurie des jeunes pur sang de l'État. Est-ce que cette vision, peut-être un peu verticale, a changé aujourd'hui avec les transformations? On vient d'entendre parler de quantique, on vient d'entendre parler d'intelligence artificielle. Est-ce que les énarques, et pas que, parce que vous n'avez pas que des énarques à la direction du Trésor, dans ce pouvoir économique que vous représentez aujourd'hui, plutôt que de parler de l'écurie de pur sang, on parle plutôt de l'équipe, d'un collectif. Et comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Quelle est la raison d'être aussi que vous donnez au Trésor? C'est un mot à la mode. Alors, je pense que ce que vous décrivez du Trésor, ça correspond toujours à une certaine réalité. C'est-à-dire que c'est toujours une direction où, dans l'État, on attire beaucoup de très hauts potentiels, de gens qui sont pas des très grands scientifiques, mais qui peuvent être des grands économistes ou des énarques bien formés, etc. Mais que la façon de travailler de l'État a fondamentalement assez changé. Et c'est beaucoup moins... top-down, je dirais. C'est moins... L'État continue à réguler, continue à définir de la norme, continue à faire des standards, continue à gérer les finances publiques, etc. Mais je pense que la façon de travailler au sein de l'administration, mais aussi dans l'interaction entre l'administration, le secteur public et le reste du monde, a fondamentalement changé. Et par exemple, je prendrai un exemple qui nous rapproche un tout petit peu des nouvelles technologies. On a eu cette année, tout d'un coup, à débouler, d'une certaine façon, au Trésor, mais aussi dans le milieu des banques centrales, etc., le projet du Libra. Ça faisait pas partie, nous on avait la présidence française du G7, donc on prépare toujours des agendas, des programmes, etc. Et puis tout d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait ce projet énorme qui pouvait, de monnaie digitale gérée par Facebook, qui pouvait complètement changer les modalités de paiement, d'échange d'argent, de transfert d'argent dans les pays développés. Bousculer la souveraineté des États. La souveraineté des États. Et donc la question était vraiment de réagir et de trouver d'abord, les façons de les experts pour comprendre, voir les enjeux, analyser l'ensemble des enjeux, etc. Et puis réagir, voir comment, que pouvaient faire les pouvoirs publics, que pouvaient faire les banques centrales, etc. Et pour faire ça, ça a été un travail totalement collectif avec les autres pays du G7, les banques centrales, des experts, etc. pour essayer de définir une réponse, de définir une stratégie, de voir ce projet reflétait un besoin et donc de voir comment on peut y répondre. Et ça reflète, je trouve, un mode de fonctionnement assez différent de ce qu'on a pu connaître dans le passé, dans un État très régalien, que vous voyez ici à Bercy avec les bâtiments Colbert, au banc, etc. On a beaucoup changé. J'allais le dire. Alors effectivement, quand on pense Trésor, on pense l'État émetteur, on pense à Colbert aussi, on pense à cette vision d'un État finalement qui est un acteur, en France en particulier, très important de l'économie. Et puis en même temps, on voit bien, l'économie s'est transformée, elle se transforme par le secteur privé, vous l'encouragez, c'est la politique clairement que vous souhaitez développer. Et aujourd'hui, on a une multitude de feuilles de route en fait de transformation. On a cité le quantique, il y a une feuille de route quantique, il y a une feuille de route cyber, il y a une feuille de route sur l'IA, il y a l'impact évidemment de ces technologies qui est transversale sur énormément de secteurs dont vous êtes le régulateur. Comment est-ce que vous vous adaptez et comment est-ce que vous voulez, si possible, accompagner, piloter ces multiples transformations? J'ajouterais, parce qu'elle est également une question de technologie, de la transition écologique qui vient finalement aujourd'hui devenir une forme d'injonction. Je pense qu'on change notre organisation. Alors, je prends l'exemple de la transition écologique qui est assez typique parce que c'est un sujet que l'administration peut prendre de plein de manières différentes. Au Trésor, il y avait des gens qui s'occupaient de la partie négociation internationale, il y avait des gens qui s'occupaient de la partie régulation financière, il y avait des gens qui s'occupaient de la partie plus impact économique, quels sont les bons outils économiques pour faciliter la transition, est-ce qu'il faut faire des émissions, taxer les émissions, est-ce qu'il faut faire des impôts sur la consommation d'énergie, etc. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que pour traiter ce genre de sujets, qui sont
totalement englobants, qui sont très multidimensionnels et où, en fait, pour pouvoir être efficace, il faut vraiment utiliser l'ensemble des outils disponibles en matière de politique publique, ben, il faut changer, bouleverser nos modes de travail. Et ce n'est pas forcément refondre les organigrammes, faire un bureau. On parlait tout à l'heure de Chief Digital Officer ou Chief Digital Office. Ce n'est pas forcément faire un bureau de la transition écologique, mais c'est arriver à avoir un mode de fonctionnement matriciel, alors que connaissent très bien les entreprises, hein, qui étaient beaucoup plus... qui est arrivé, je pense, beaucoup plus tard dans l'administration, mais qu'on est en train de mettre en œuvre pour, voilà, prendre tous les gens qui travaillent sur ce sujet-là et à un moment les faire travailler ensemble et produire. Et c'est vrai avec les équipes au sein de l'État, mais aussi avec les partenaires extérieurs, parce qu'on voit bien aussi aujourd'hui que dans la fabrication des politiques publiques, si on ne prend pas en compte les parties prenantes, les entreprises, les citoyens, les partenaires sociaux, etc., le risque d'échec et les ONG, sur un sujet comme la transition écologique, c'est important, le risque d'échec est extrêmement important et la légitimité de l'action publique est fortement remise en cause. Donc, ça, c'est aussi une transformation assez profonde dans la conception de l'action publique. Justement, cette période que nous vivons, on pourrait parler d'une crise de mutation. Les années 2020 vont être des années où on voit bien que, vous l'avez dit, bon, il y a le phénomène gilet jaune, enfin, il y a une contestation de toutes les autorités, la presse comme l'État. Comment est-ce que vous voyez la conception des politiques économiques? Est-ce que vous avez été bousculé vous-même peut-être par ce mouvement des gilets jaunes sur la façon de définir et de communiquer des transformations qui restent nécessaires, bien sûr, mais comment finalement associer plus les Français, les gens, et les faire s'approprier cette nécessité de changer? Ben sur la transition, l'exemple qui est intéressant, je trouve, c'est mois dernier, c'est l'exemple de la Convention citoyenne, où justement, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une convention avec des gens tirés au sort. Hein, et on avait l'autre jour Thierry Pêche qui expliquait comment ça fonctionnait. C'est vraiment des gens qui arrivent avec chacun leur expérience d'univers complètement différent, leurs préoccupations complètement différentes, et qui essaient de trouver un consensus ou de se mettre d'accord sur des propositions pour traiter un problème. Et donc ça, c'est assez innovant en termes de processus de décision. Après, ce qui est pour les administrations comme la nôtre, traditionnellement, on ne communique pas du tout, par exemple. C'est le ministre qui communique, qui est chargé, ou le gouvernement qui est chargé de porter la parole publique. Nous, on travaille pour le ministre. Et là, je dirais qu'on est dans un monde où si on ne communique plus et qu'on n'est pas capable d'expliquer le pourquoi, du comment ou de donner des faits, je pense qu'on ne fait pas notre métier. Et c'est un enjeu très important de transformation aujourd'hui d'être capable d'utiliser les différents modes de réseaux sociaux, etc., pour expliquer, donner des données, éclairer le débat public. On n'a pas vocation à faire de la communication de très grand public, etc., mais au moins, voilà, faire connaître et contribuer au débat en apportant de la formation factuelle et des éléments. Et par exemple, l'année dernière, au moment du grand débat, il y a eu beaucoup de données sur l'utilisation des dépenses publiques, leur affectation, etc., qui ont vraiment nourri, je pense, une partie des débats citoyens qui ont eu lieu dans les mois qui ont suivi les Gilets jaunes. Dernière question, vous citiez le sujet de la monnaie Libra. On voit bien qu'avec beaucoup de ces nouvelles technologies apparaissent de nouveaux risques, y compris des risques financiers. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans la banque, par exemple, ça peut être une question de savoir est-ce que demain, il y aura toujours des comités de crédit ou est-ce que des machines décideront. Donc, est-ce que de nouveau, est-ce que vous identifiez, il y a également la cybersécurité, bien sûr, on en a un peu parlé, est-ce que vous identifiez de nouveaux risques et donc de nouvelles façons de réguler ces risques qui pourraient, on a bien vu la crise financière, la dernière date de 2008, on se dit que si à l'âge du quantique et de la cybersécurité, on devait en connaître une 10 fois plus puissante, ça serait quand même difficile d'y résister. Donc comment se prémunir et comment vous vous préparez à ces nouvelles technologies? Alors, la nature des risques qui peuvent émerger est très, très diverse. Parce que, par exemple, quand on parle des crypto-monnaies, il y a toutes les problématiques de blanchiment, de circuits complètement opaques qui permettent toutes sortes de trafics, etc. Et donc, ça, c'est un risque qu'on essaie d'attraper par des règles, en appliquant à ce secteur des règles anti-blanchiment. Donc, ça, c'est, il y a des accords internationaux qui sont en train de se mettre en place pour faire ça. Évidemment, l'autre risque, c'est de l'équilibre à trouver, c'est de ne pas non plus décourager l'innovation et
de garder le bon côté de l'innovation et d'adapter, d'avoir des réglementations qui permettent de s'adapter aussi aux nouvelles formes aux nouveaux produits qui peuvent se développer. Donc, par exemple, la place de Paris a été très innovante sur la blockchain, l'utilisation de la technologie blockchain pour, en mettant en place un peu des systèmes de régulation optionnels qui permettent de voir comment on peut développer et utiliser ce type de technologie pour des transactions financières classiques, de règlement de livraison, etc. Le risque, je pense, un des risques majeurs, c'est le risque de la cybersécurité. Et ça, je pense qu'il y a une question de... On ne peut pas tout réglementer. Il y a une question de prise en compte des acteurs, de développement, par exemple, de produits d'assurance aussi. Donc, c'est un sujet qui doit être pris globalement et pas simplement sous l'angle de standards techniques. Et puis après, il y a un risque qu'on voit aujourd'hui qui me paraît être particulièrement important, c'est le risque lié à la globalisation. C'est-à-dire que là, on voit un virus en Chine et on se demande aujourd'hui quel va être l'impact sur l'économie mondiale dans les mois qui viennent. Et on voit bien que l'interconnexion de l'ensemble des systèmes et de l'ensemble des économies nous met face à la fois une force parce que il y a des sources de croissance démultipliées, etc., mais en même temps peut être une fragilité quand il y a des mécanismes de contagion qui se développent. Merci beaucoup. Alors, je vais passer maintenant sans transition à un tout autre échelon, la région Île-de-France. Alors, avec vous, Bernard Giry, peut-être racontez-nous la transformation d'une région sous l'impact du numérique. Alors, il y a plusieurs aspects. En plus, la première transformation que vous avez vécue, c'est un déménagement dans un endroit assez symbolique, en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un changement important du centre de gravité aussi qui adresse un message, sans doute, à la population. Et quel impact ça a eu sur l'organisation, sur le mode de travail à la région ? C'est vrai qu'avec l'arrivée de Valérie Pécresse en décembre 2015, l'engagement de transformer la région avait été pris, et en particulier de déménager le siège du 7e arrondissement, où on avait une quinzaine de bureaux environ, à un siège unique pour rassembler les équipes. Je crois qu'il y avait à la fois la volonté de rassembler toutes les équipes et aussi la volonté de s'adapter et de se transformer pour délivrer un service public plus rapidement, plus personnalisé, plus proche et plus proche des attentes des citoyens. Et donc finalement, ce projet de déménagement a été l'occasion aussi de transformer l'administration, puisqu'on est passé au télétravail. Aujourd'hui, 80% des agents télétravaillent une à deux journées par semaine. Alors, l'administration régionale, c'est une petite administration par rapport à l'État, c'est environ 10 000 salariés, mais néanmoins, c'est un chiffre qui est relativement important. Et globalement, cette transformation autour du télétravail, autour de bureaux ouverts et non plus de petits bureaux fermés, etc., pour faciliter la collaboration, a dû, derrière, engager une accélération de la transformation numérique. Qui dit télétravail, dit outils accès à distance de plateformes, numérisation des process, etc. Et donc, il y a un gros chantier qui s'est créé derrière. Et donc, on est rentré un peu dans cette deuxième étape, qui est de se dire, et tout à l'heure, Patrick Sken parlait de page blanche, c'était un peu le même cas pour nous. On s'était engagé sur faire de la région une smart région, une région intelligente, mais qu'est-ce que c'était ? Globalement, il n'y avait pas de modèle en France, donc on a été un peu voir à l'étranger, à Singapour, à New York, etc. Et globalement, c'était souvent des villes. Ce n'était pas forcément des régions avec des compétences un peu différentes. Et donc, on est reparti. On s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut faire ? On a des données. On ne sait pas très bien les maîtriser. On a des services. Ces services, aujourd'hui, ont besoin d'être transformés. Et pour réaliser ces nouveaux services, on a besoin de données publiques et privées. On a besoin d'un nouveau modèle. On a peut-être besoin d'un double numérique aussi, comme d'une entreprise. Quel serait le double numérique de la région ? Quels sont les outils ? Et donc, on a avancé comme ça en marchant. Et de la même manière, c'est assez intéressant, on a créé une équipe, une nouvelle équipe, qui s'appelle la direction de la Smart Région et de la Donnée, et qui a construit cette plateforme qui a ouvert il y a à peu près 3 mois aujourd'hui. Et donc, on a à peu près les premières retombées de cette ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur Île-de-France Smart Services ? Île-de-France Smart Services, donc on a... Smart Services. Aujourd'hui, c'est l'agrégation, c'est quatre parties. C'est un agrégateur de données, environ 8000 jeux de données. Donc, on intègre toutes les données publiques qui sont en open data sur cette plateforme. Deuxièmement, on considère aussi que la donnée privée est particulièrement utile pour délivrer un service. On ne peut plus délivrer aujourd'hui une politique publique sans intégrer des données privées. Et donc, on a mis en place quelque chose d'assez innovant qui est un contrat cadre, une convention cadre d'échange de données publiques privées,
qui a été voté par la collectivité, bien évidemment. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine d'acteurs privés qui travaillent avec nous et qui définissent non pas de l'open data, mais ce qu'on va appeler de la shared data. C'est un contrat de confiance en disant, voilà, ces données, je suis prêt à les partager avec vous, je suis prêt à travailler ensemble sur un certain nombre de services et on va pouvoir aboutir à ça. Par exemple, on va sortir d'ici un mois un outil qui doit permettre de faciliter l'implantation d'entreprises. Donc globalement, on est dans une phase post-Brexit d'attractivité, de choix d'implantation. La donnée existe, mais elle n'est pas toujours fluide, elle n'est pas toujours accessible, elle n'est pas personnalisée. Et là, l'idée, c'est de construire à partir d'un outil multicritère, d'une dizaine de critères. Je veux construire une entreprise, je veux être à côté d'un lycée international, je veux être à moins de 10 minutes à un axe de transport, d'agglomérer l'ensemble de ces données et de le proposer à une entreprise pour faciliter son implantation. Et ça sera prêt dans... Ça sera prêt pour le MIPIM. On va profiter de ce salon pour le présenter à ce moment-là. D'accord. Et le deuxième élément... Donc ça va accélérer les bons résultats de l'indicateur EY qui montre que l'attractivité de la France est bonne et peut-être de l'Île-de-France encore plus. Et celle de l'Île-de-France qui a été classée comme première région au monde pour les investissements R&D. Bien, donc au MIPIM, merci beaucoup. Alors, pardon, on me demande d'accélérer le temps passe, c'est passionnant. Mais avec Hervé de la Chapelle, peut-être pour prendre une vision un peu plus globale sur le secteur public, quelles sont les nouvelles forces de transformation des secteurs publics que vous voyez à l'œuvre? On en a un peu parlé, la technologie, l'écologie, et comment est-ce qu'on peut les adresser? Comment est-ce que vous les voyez finalement interagir aussi entre elles? Aujourd'hui, tout le monde veut se transformer. Quelles sont les bonnes méthodes de travail, notamment dans ou l'administration et le secteur public? Alors, effectivement, le quotidien des équipes conseil d'EY secteur public, c'est d'accompagner la transformation de nos administrations, la modernisation de l'action publique. Ce qui nous donne une vision un peu assez large, un poste un peu de vigie sur toutes ces transformations, toutes ces opérations. On a publié un baromètre il y a une quinzaine de jours qui montre que, baromètre de l'attractivité industrielle de la France, qui montre que, aujourd'hui, la France reste en première position européenne sur les investissements internationaux pour l'industrie. Et ça prouve bien qu'aujourd'hui, parmi tous les critères qui sont cités sur cette attractivité, c'est la qualité de nos services publics et la capacité de notre pays à se moderniser et à se réformer. Alors, quelle méthode ? Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que les derniers cycles de transformation dans l'action publique, c'est des transformations qui ne sont plus axées uniquement sur la recherche d'efficacité ou de réduction de la dépense publique, ce qui était finalement les axes qui prévalaient dans les années 2000. Aujourd'hui, on positionne l'usager au cœur de la transformation. Et ce qui guide et accélère toute la transformation, c'est justement cette capacité à créer de l'impact. Et ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile aujourd'hui parce que nos administrations sont vastes, parce que nos administrations sont complexes, elles sont extrêmement diverses. Une administration centrale, ce n'est pas une collectivité territoriale, ce n'est pas un organisme de protection sociale. Et aujourd'hui, ce qui guide vraiment cette transformation, c'est d'axer sur des résultats extrêmement concrets les actions de transformation. Le président de la République s'est engagé sur un certain nombre d'objectifs autour notamment de ce qu'on appelle les objets de la vie quotidienne. Ce sont des dispositifs extrêmement concrets. Il y en a une soixantaine qui ont été priorisés. C'est par exemple de doupler les maisons de santé. C'est par exemple trouver des solutions sur l'absentéisme des professeurs. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui tous les déterminants, qu'ils soient nationaux ou locaux, des causes de mécontentement d'une partie de la population, on se rend compte que pour accélérer la transformation de l'administration, il faut vraiment faire porter l'effort sur tout ce qui crée de l'impact pour l'usager, pour les entreprises. Juste peut-être une réaction d'Odile Renaud-Bassot, parce que la culture parfois de l'État, en tout cas à Bercy, c'est de dire qu'il faut dépenser moins et empêcher les hommes politiques ou les femmes politiques de venir dépenser, notamment dans les ministères dépensiers. Alors vous n'êtes pas la directrice du budget, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement de culture à l'égard de la performance de la dépense publique, de l'aménagement du territoire, de ce qui vient d'être dit? C'est-à-dire que ça compte d'avoir des services publics performants et il ne faut pas avoir une vision trop caricaturale de ce sujet. Ah, c'est sûr que ça compte d'avoir des services publics performants et je pense que tout ce que, dans les exemples récents de grandes transformations des services publics, il y a
tout ce qui est lié à l'utilisation des nouvelles technologies. Par exemple, la DGFiP, donc la direction des impôts, qui prélève la transformation et la mise en place de l'impôt à la source, c'est une révolution, d'une certaine façon, dans le fonctionnement de l'administration fiscale, avec tout un processus vraiment de transformation assez profond. Je citerai un autre exemple, qui est la mise en place du compte personnel de formation, mon compte formation, qui est aussi une façon de transformer le modèle d'utilisation des comptes des crédits formation par chacun, pour mettre en fait le citoyen et l'usager au centre, plutôt que ça soit un système institutionnalisé, etc. En fait, du point de vue de la dépense publique, je pense que le cœur aujourd'hui, c'est de dire évaluons ce qu'on fait, utilisons toutes les données disponibles, tous les outils d'évaluation pour beaucoup mieux évaluer beaucoup plus tôt l'efficacité de l'action publique et donc améliorer la qualité des dépenses publiques. Ce n'est pas forcément la quantité qui va être déterminante, mais c'est d'être sûr que ce qu'on fait vise à l'objectif, la dépense permet d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Merci peut-être Hervé Lachavelle sur cette question, et ça peut être, on arrive un peu au bout mais, de notre débat, mais ça me paraît une question clé sur tous ces sujets de mesure, effectivement, et vous êtes dans un cabinet d'audit aussi, et de mesure. Est-ce que sur ces questions de mesure de la performance des dépenses, notamment dans les administrations, sur la performance, on parle beaucoup aussi de mesure de l'impact social et environnemental. C'est le sujet qui est de plus en plus souhaité dans les entreprises avec les indicateurs RSE. Est-ce que là-dessus, vous travaillez sur ces questions? Est-ce qu'on peut améliorer cette mesure? Alors, vous évoquez le sujet de l'impact effectivement environnemental, l'impact social. L'administration s'est engagée fortement. La stratégie nationale bas carbone a impulsé un certain nombre de plans ministériels pour une administration exemplaire. Et l'administration s'engage. L'administration publie un certain nombre de résultats justement sur ses engagements en faveur de ces impacts environnementaux, de ces impacts sociaux. Aujourd'hui, oui, effectivement. Le sujet de la mesure de l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation d'impact des politiques publiques est un sujet qui est extrêmement important. C'est un sujet qui évolue et qui s'appuie pas mal et de plus en plus sur tout ce qui est nouvelles technologies, parce qu'il y a énormément d'informations, parce qu'il y a énormément de data, et tous ces dispositifs combinés à ce que vous évoquiez de concertation citoyenne et autres, permettent d'accélérer toutes les méthodes de mesure, permettent d'avoir beaucoup plus d'informations pour mesurer l'impact de l'ensemble de ces dispositifs et des différentes politiques publiques. Bien, vous le voyez, mais il faut s'arrêter. On ne fera plus de la politique, en tout cas, comme on en faisait auparavant. On a eu quelques exemples. Je voudrais remercier les trois témoins qui étaient avec nous et passer la parole en vous remerciant à Jeanne Dussueil pour prendre la suite avant d'accueillir la ministre tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Philippe. Notre dernière intervenante, donc, je vous demande d'applaudir donc Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA. Et bonsoir, merci de me permettre de venir à cette heure tardive vous parler un peu de changement climatique. Alors aujourd'hui, ce changement climatique, on le subit. Nous en sommes à environ 1 degré de réchauffement à la surface des continents et des océans, autour d'un degré et demi en France, comme sur la plupart des continents. Et ce changement climatique, il est dû aux activités humaines, les rejets passés et actuels de gaz à effet de serre qui empêchent de la chaleur de partir vers l'espace, un petit peu masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Ce changement climatique a des effets visibles partout, sur les continents comme dans les océans, spectaculaires, avec le recul généralisé des glaciers, une baisse de l'enneigement en moyenne montagne, un recul de la glace de mer autour du pôle Nord, et puis une fonte du Groenland, de l'Antarctique. L'océan se réchauffe et gonfle. Pour donner un ordre de grandeur de ce que représente ce degré de réchauffement, entre 2018 et 2019, l'océan a rentré plus d'énergie que 45 fois ce que l'ensemble de l'humanité a consommé l'année dernière. C'est le résultat de l'augmentation de l'effet de serre et cette accumulation formidable d'énergie dans la machine climatique. L'océan se réchauffe et gonfle. Le Groenland fond 2 fois plus vite la dernière décennie que la précédente. Certains secteurs de l'Antarctique glissent plus rapidement.
La fonte des glaciers de l'Antarctique du Groenland, c'est le premier facteur aujourd'hui de montée du niveau des mers. Ça s'ajoute au gonflement de l'océan. Le niveau des mers monte de manière accélérée, 15 cm au XXe siècle, 3,6 mm chaque année aujourd'hui. Donc le changement climatique, c'est également des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses. 46 degrés l'année dernière dans le sud de la France. On a décalé le passage du brevet. Nos écoles ne sont pas prêtes, nos bâtiments ne sont pas prêts. Notre agriculture a souffert. C'est le cas dans un pays riche, mais c'est aussi le cas dans la plupart des pays en développement. Le changement climatique, par les vagues de chaleur plus intenses, affecte les rendements agricoles. Dans les régions de climat méditerranéen, il s'accompagne d'une baisse de la pluviométrie. Celle-ci affecte la sécurité en eau. On observe déjà une augmentation de la sévérité des sécheresses. On observe un allongement de la saison propice au départ de feux dans ces régions de climat méditerranéen, ici comme par exemple dans le sud de l'Australie. Le changement climatique, c'est aussi un renforcement de l'intensité des pluies torrentielles. Une atmosphère plus chaude peut transporter plus d'humidité. Donc, un cyclone aujourd'hui peut apporter des pluies plus intenses que le même cyclone il y a une cinquantaine d'années. On l'observe dans le sud de la France, par exemple. Le thème, c'est le courage de transformer. Est-ce que nous transformons nos modes de vie, nos modes de production à la hauteur de cet enjeu? On observe la poursuite constante des émissions de gaz à effet de serre. On observe l'augmentation croissante de la teneur des principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les promesses mises par les pays sur la table dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015 témoignent d'une action concertée. Si l'ensemble des promesses se réalise, alors d'ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre monteront moins vite que si on ne faisait rien. Mais elles continueront à monter. Si on voulait contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, l'objectif que se sont fixés les nations dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, que faudrait-il faire? Il faudrait en fait, dans l'ensemble des trajectoires disponibles dans la littérature scientifique, technique, socio-économique, il faudrait en fait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone baissent d'un quart d'ici 2030 et atteignent dans la deuxième moitié de ce siècle la neutralité. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus dans l'atmosphère que ce qu'on est capable d'enlever et de stocker de manière durable. Quelles sont les entreprises qui alignent leur action sur ce type de trajectoire? Quels sont les investisseurs qui alignent leur choix d'investissement sur ce type de trajectoire? C'est un défi majeur. Pour l'instant, les promesses faites par les États ne sont pas à la hauteur. À horizon de la fin de cette année, ils doivent mettre sur la table la révision de leur ambition. Quelle sera-t-elle? Cela va dépendre aussi de ce que feront les acteurs, bien sûr, du monde économique partout. Et puis, le changement climatique, on le subit. Mais beaucoup de ses conséquences dépendent des choix que l'on va faire. Des choix, bien sûr, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais beaucoup d'autres choix. On peut, par exemple, en agissant aujourd'hui, maîtriser l'ampleur des risques liés au changement climatique sur le littoral. Le littoral, c'est important. À horizon 2050, il y aura 1 milliard de personnes qui vont vivre sur le littoral. Ça concentre de grandes villes, des infrastructures essentielles, ça concentre de grands deltas agricoles, centraux pour la production alimentaire, et aussi des zones de basse terre et des écosystèmes fragiles. Le niveau des mers qui monte, c'est bien sûr une montée graduelle. Dans un scénario d'action forte pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, une stabilisation autour de 2 degrés du réchauffement à horizon 2050-2100, le niveau des mers continuera à monter, 50 cm d'ici à la fin de ce siècle, de l'ordre d'un mètre à horizon 2300. Si on laisse faire, ce sera plus. Et ça se poursuivra pendant longtemps. On ne peut pas en fait bloquer la montée du niveau des mers, il va falloir faire avec. Et un niveau moyen des mers qui monte, c'est les événements de très haut niveau marin, ceux qui se produisent quand on a la tempête du siècle, qui vont devenir de plus en plus fréquents, annuels à horizon 2050, dans beaucoup de régions du monde. Donc la question de la prise en compte des risques physiques, des risques climatiques, pour déployer une approche intelligente, collégiale, de gestion de risques, dans le cadre de processus délibératifs où chacun a sa part à jouer, c'est quelque chose de fondamental pour réduire les risques liés au changement inéluctable. Et puis, on a des leviers d'action qui sont formidables. Les solutions qui existent aujourd'hui, elles n'étaient pas là il y a 5 ans, il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, d'agir à hauteur des enjeux pour maîtriser les risques, pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, essentielle, pour maîtriser également la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, réduire fortement les rejets de gaz à effet de serre, en fait, ça demande des transitions sans précédent historique. Un rythme sans précédent historique dans tous les secteurs d'activité. Bien sûr, le secteur de l'énergie, c'est le premier qui vient en tête, avec le fait de décarboner la production d'électricité, d'électrifier les autres usages de l'énergie, pour ensuite produire dans le secteur industriel
avec une électricité bas carbone, avec une énergie bas carbone. Mais c'est aussi transformer notre gestion des terres, l'aménagement du territoire. C'est également préserver les puits naturels de carbone, tous les écosystèmes et en particulier les forêts primaires. C'est aussi transformer les pratiques agricoles. Aujourd'hui, notre système alimentaire, il rejette un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, depuis la production jusqu'aux déchets en passant par ce qu'il y a dans notre assiette. Il y a des leviers d'action qui sont formidables, mais ça touche tous les secteurs, c'est-à-dire produire, transformer et aussi ce que l'on choisit de consommer. Il y a des actions, des solutions qui sont disponibles maintenant. Ce n'est pas de la science qui est à l'état de prototype dans les laboratoires. Des connaissances locales, des progrès dans les techniques agricoles permettent en fait de restaurer les sols dégradés, d'agir pour l'adaptation, pour l'atténuation, pour la sécurité alimentaire, avec des bénéfices dans beaucoup de multiples dimensions. Quand on fait l'évaluation de l'état des connaissances avec le GIEC, en fait, on mobilise des chercheurs du monde entier, secteur public, secteur privé. Ils passent en revue l'état des connaissances. Et on a aussi transformé notre manière de faire. Parce qu'en regardant les différents secteurs d'activité, les options d'action, l'énergie, l'usage des terres, mais aussi les villes qui vont jouer un rôle central avec ce mouvement d'urbanisation massive dans le monde, l'industrie, le besoin d'infrastructures, finalement, on a centré l'analyse des options d'action beaucoup plus largement. On a regardé en fait l'ensemble des dimensions d'un développement soutenable, les bénéfices en matière de santé publique, les bénéfices par rapport au fait de permettre à tous de vivre dignement. Et donc, très profondément, on a centré l'analyse des enjeux sur le climat comme une question essentielle au développement. Entre un réchauffement d'un degré et demi et deux degrés, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui sont aujourd'hui susceptibles de basculer dans la pauvreté, qui seront exposées à des risques climatiques croisés, directs et indirects. La question de la maîtrise du réchauffement, c'est très profondément essentiel par rapport au fait de permettre à tous de vivre dignement partout. Le changement climatique, aujourd'hui, c'est un facteur de stress pour la biodiversité, en plus des facteurs locaux, hein, des pressions qui s'exercent localement. Ça ne va faire qu'augmenter. Si vous voulez conserver la richesse du vivant sur Terre, l'enjeu d'action par rapport au changement climatique est essentiel. Certains écosystèmes sont plus fragiles que d'autres. On le voit sur les continents, on le voit peut-être moins en mer. En mer, on a un océan qui se réchauffe, qui s'acidifie, qui perd de l'oxygène parce que les eaux de mer se mélangent moins bien quand l'océan se réchauffe. Donc des tensions conjointes. On a des espèces de poissons qui se déplacent de 50 km tous les 10 ans vers le pôle. Le potentiel de pêche va diminuer dans les régions tropicales. On a déjà des récifs de coraux qui sont sévèrement dégradés parce que les épisodes chauds se répètent. Ça fait partie des écosystèmes les plus exposés, mais tous, en fait, sont concernés en fonction de l'ampleur et de la vitesse du réchauffement climatique. Et on a besoin de revoir ces indépendances, ces interdépendances entre ce monde qui nous entoure, ces écosystèmes, ces conditions physiques, la variabilité du climat, les événements extrêmes, et nos propres choix, nos propres modèles de développement. Donc, ce que je veux également mentionner, c'est le fait d'avoir analysé dans les options d'action qui existent, dans tous les secteurs d'activité, quelles sont les dimensions de faisabilité. Il y a des dimensions qui sont économiques, technologiques, environnementales, les ressources par exemple. Il y a des dimensions qui sont profondément socioculturelles, ce que les gens ont envie de faire, sont prêts à faire, et puis il y a des dimensions institutionnelles. Et on a montré en fait tous les leviers d'action qui existent pour déployer les solutions qui existent rapidement, en levant les freins, et aussi tout le besoin d'innovation. L'innovation technologique, l'innovation sociale, et l'innovation frugale, abordable, que tout le monde puisse se permettre de déployer. Ce besoin, il est formidable en fait, par rapport à la question du changement climatique. Parce que finalement, ce qu'on a à construire, c'est un mode de développement qui ne laisse personne derrière, un mode de développement qui soit résilient, c'est-à-dire qui fonctionne même parce que le climat va continuer inéluctablement à changer sur les prochaines décennies, et un mode de développement où on pense les transformations avec cet objectif de neutralité sur les émissions de dioxyde de carbone, ce qui amène à voir les choses en fait complètement différemment. Alors, je voudrais venir vers vous avec une question. Qui parmi vous a lu un des résumés pour décideurs des rapports spéciaux que nous avons rendus sur 1,5 degré, les terres, l'océan, la cryosphère ? Qui parmi vous les a regardés ? Ils sont disponibles sur le site du GIEC en anglais, où il y a une traduction citoyenne qui est disponible en attendant les traductions en français qui vont venir. Qui parmi vous mesure son empreinte carbone ? Son empreinte carbone dans un contexte professionnel, dans son entreprise, dans sa collectivité ? Qui parmi vous le fait à titre individuel ? Pour avoir le courage de transformer, la première chose, c'est mesurer. Mesurer. Qu'est-ce qui, dans nos activités, conduit à rejeter des gaz à effet de serre ? C'est avoir une approche basée sur la science, s'aligner avec les enjeux pour maîtriser les rejets de gaz à effet de serre, analyser quels sont les risques physiques sur des chaînes de valeur, sur les secteurs d'activité, et ensuite, lucidement,
En s'appuyant sur ces connaissances, on peut agir d'une manière efficace. En fait, pour résumer le rapport qu'on avait rendu sur 1,5 degré à la demande de l'accord de Paris sur le climat, de la COP21, moi je le résume en disant, en fait, par rapport au réchauffement climatique, chaque fraction de degré, chaque demi-degré compte. Un monde 1 degré plus chaud, ce n'est pas la même chose qu'un monde 1,5 degré plus chaud au rythme actuel entre 2030 et 2050. Et puis un monde qui peut se stabiliser autour 1,5 degré ou 2 degrés si on agit profondément maintenant, ou un réchauffement qui s'accélère, qui atteint 2 degrés en 2050, 3 degrés en 2100 avec le niveau actuel d'ambition. Donc chaque demi-degré compte. Ensuite, par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, leur effet cumulatif, en particulier pour le dioxyde de carbone, chaque année compte. Si on n'agit pas aujourd'hui, ça veut dire plus de réchauffement, et ça veut dire une action plus radicale, plus subie, ou des options plus risquées à l'avenir. Ça veut dire qu'on laisse aux jeunes générations d'aujourd'hui le défi de faire avec. Et puis enfin, chaque choix compte. Et sur l'action par rapport au climat, si on la pense profondément avec les autres dimensions d'un développement soutenable, il y a beaucoup de co-bénéfices, il y a des effets indésirables, on a besoin de mesures de redistribution, de compensation, pour prendre en compte les vulnérabilités qui existent, pour permettre en fait d'avoir une transformation profonde à tous les échelons. Et pour ça, en fait, chaque choix compte, mais nous avons vraiment besoin de vous tous. Merci. Merci beaucoup. Alors... Malheureusement, j'avais des questions pour vous, Valérie, mais on m'a fait signe que nous n'aurions pas le temps. Et je vais conclure en disant, qui a entendu parler de Greta Thunberg parmi vous ? Je pense que là, c'est beaucoup plus nombreux. Et c'est peut-être un peu la conclusion qu'on aurait voulu avoir ensemble. Il y a votre approche très rationnelle et puis cette approche émotionnelle du climat que l'on entend et qui nous touche. C'est un défi aussi pour nous, les médias, d'avoir une information rationnelle et de sortir de l'émotionnel. Oui, et donner à voir tous ces jeunes formidables qui sont partout, dans les universités, dans les centres d'apprentissage, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce. Et ce qu'ils me disent tous, c'est qu'on a envie de porter des solutions. On a envie de donner un sens à notre parcours professionnel. On veut acquérir des compétences et les porter. Donc la jeunesse, on a des images médiatiques, mais on a aussi tout ce mouvement de fond, en particulier très marqué en France, qui veut être porteur de solutions. Ce sont des ressources précieuses pour vous. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Et donc, je termine en restant dans la lumière. L'émotionnel, le rationnel touche aussi le monde politique, puisque nous accueillons maintenant Philippe Mabille et Agnès Pannier-Runacher pour la dernière interview de la soirée, que l'on peut applaudir. Merci beaucoup. Bien, bonsoir Agnès Pannier-Runacher, Madame la ministre de l'Industrie. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir conclure cette soirée autour du courage de transformer. Alors j'ai envie de vous faire une interview, on a peu de temps, il est tard, une interview un peu rapide, deux questions. Ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Ce qui a été fait, beaucoup a été fait, et bon, c'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais objectivement, quand on regarde la situation avec une certaine honnêteté, et c'est le cas à la Tribune, je crois, des journalistes de la Tribune, il y a des résultats, les premiers fruits d'une action qui a été longtemps retardée, qu'on attendait dans le pays, de transformation, de réforme économique et sociale, commence à montrer qu'il y a de la création d'emplois, il y a des relocalisations d'industrie, donc... Vous devez être une ministre de l'Industrie heureuse de ce point de vue. Mais quand vous regardez tout ce qui reste à faire, et on vient d'en parler, l'aspect encore plus vertigineux de l'aspect de la transition écologique et avec les inquiétudes que cela, évidemment, provoque, quel est l'état d'esprit, finalement, que vous avez face à cette question du courage en tant que femme politique, alors, même si ce n'est pas de très longue date, comme femme politique aujourd'hui à Bercy? Alors, la première chose, c'est avoir fait plein de choses macro. Ça n'a aucune importance si ça ne se ressent pas dans la vie quotidienne des gens. Mais aucune importance. Vous l'avez bien compris, ça. Hein.
Non, puis si vous voulez, c'est un peu la même chose que dans une entreprise. Mais vous l'avez bien entendu. C'est-à-dire que lorsque vous avez une stratégie qui est formidable, ça n'a aucune importance si elle n'est pas proprement exécutée derrière. Donc l'idée que le vote d'un projet de loi ou la présentation d'un projet de loi en Conseil des ministres est la clé, l'aboutissement du traitement d'une politique publique ne fonctionne pas. Et nous sommes obsédés par, on en a parlé tout à l'heure, hein, les objets de la vie quotidienne, on est obsédé par le fait qu'il y ait une transformation palpable, mesurable dans le quotidien des gens. Et c'est d'autant plus difficile qu'effectivement, il y a un délai entre le moment où on annonce, le moment où on transforme le cadre juridique permettant de faire et le moment où enfin on peut commencer à vraiment faire. Et c'est pour ça que je suis effectivement une femme heureuse dans l'industrie, parce que j'ai pas besoin de loi pour accompagner des entreprises en difficulté, pour aller chercher des investisseurs à l'étranger, leur expliquer tout bien qu'il faut penser la France dans l'équivalent de roadshow, parce que vraiment ça s'apparente à ça. J'ai un PowerPoint, je tourne les pages, j'ai évidemment des éléments favorables sur la France. Ils me posent évidemment des questions donc désagréables. Vous êtes notre meilleur commercial. Je suis sur le terrain en train de vendre la France, mais la vendre au sens... C'est plus facile aujourd'hui qu'hier, objectivement. Vous avez l'impression, on a vu à Choose France... Il y a des faits maintenant. Il y a des éléments positifs. Qu'est-ce qu'on vous demande de plus ? Il y a des faits qui marquent la différence. Il y a toujours beaucoup de préjugés sur la France. Il y a des préjugés, il y a des réalités. Il y a des préjugés sur le marché du travail, alors qu'il y a eu une transformation massive au travers du travail qu'a fait Muriel Pénicaud sur les ordonnances travail, sur la prévisibilité de ce que l'on... lorsqu'on doit restructurer des entreprises, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui vrai, mais ce n'est pas encore totalement ressenti sur le terrain et ça fait partie des sujets dont... On reste un peu le pays des grèves quand même, ça demeure un élément négatif pour les investisseurs. Mais pas dans le privé. Pas dans le privé. Mais pas dans le privé. Alors qu'est-ce qui intéresse les investisseurs étrangers ? A fortiori, ils pouvoir circuler opèrent, quand même, c'est se déplacer, non ? Ils prennent rarement le métro, les investisseurs privés, hein, je vous le rassure. Moins souvent que moi. Ça n'a pas duré très longtemps. Dans quelques mois, ça sera derrière nous. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire ? Donc, comme ce qu'il faut faire déjà, c'est matérialiser les réformes et faire en sorte que lorsqu'on baisse les impôts de 5 milliards d'euros d'impôts sur le revenu des personnes physiques, ça se voit sur la feuille de paye de janvier à décembre. Ça, c'est essentiel. C'est que votre enfant de 6 ans, qui est peut-être en difficulté, apprennent plus vite à l'école parce qu'on a mis le paquet sur ce sujet-là. C'est ça la transformation, premier point. Deuxième point, ce qui reste à faire. Là, on est en train d'essayer non seulement de faire en sorte que les mesures qu'on a prises, la transformation qu'on essaye de mener se traduisent sur le terrain par plus d'emplois, moins de chômage, mais également plus de bien-être de la part des Français. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut lever la tête du guidon parce qu'on a une transformation assez massive à faire. Vous disiez tout à l'heure tous les défis que nous devons relever dans le cadre du changement climatique. Nous devons relever des défis liés à la transformation numérique. Nous avons des sujets de compétences et c'est les trois sujets qu'on veut embrasser dans le pacte productif. Alors, je vous renvoie à un très bon article dont j'ai compris qu'il allait être distribué à la sortie sur qui est une interview de Bruno Le Maire sur le pacte productif. Mais au fond, ce qu'on essaye de tracer, c'est comment en 2030 on est une économie leader en termes économiques, en ayant pris ce virage de la transition écologique et énergétique, et pas de manière théorique, mais de manière mesurable, et en étant en plein emploi. Et je ne veux pas vous parler de tout ce pacte, mais moi, de ce que j'ai conduit, le groupe de travail industrie. Le groupe de travail industrie, c'est par exemple, on travaille avec 6 à 8 filières, donc elles sont plus ou moins mûres, on va essayer d'arriver avec 8, pour dire... Comment vous baissez vos émissions de carbone, mais pas à pas. Pas le coup en 2030, vous faites moins 50% et moins 100% en 2050, mais sauf qu'en 2028, vous avez fait qu'un quart du chemin. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est quelle technologie, quel investissement, comment on peut vous accompagner pour que cette trajectoire carbone, elle soit crédible et on passe de la stratégie au plan d'action. Deuxième exemple, il faut attirer des investisseurs étrangers. On a une complexité administrative. En France, deux fois plus de temps pour installer des sites industriels que par exemple en Suède.
pour obtenir les autorisations. Pourtant, la Suède, ce n'est pas un droit de l'environnement particulièrement accueillant. Il y a une grande exigence. Eh ben, on s'est saisi de ce sujet-là, que nous remontaient les investisseurs français et étrangers en juin dernier. On a missionné un député pour nous faire des propositions dans un rapport. Il l'a rendu en septembre. En octobre, on validait les propositions au niveau du Premier ministre. En novembre, on recrutait le chef de projet pour faire toute la partie non législative et pour préparer le projet de loi dont on a besoin pour avancer. En janvier, à Choose France, on proposait des terrains clés en main de plus de 50 hectares pour installer des sites. Donc des terrains clés en main, c'est moins de 10 mois pour boucler toutes les autorisations. Lorsque vous avez une autorisation environnementale, moins de 3 mois pour un permis de construire. Et des terrains de 50 hectares, je peux vous dire que c'est quand même relativement rare. Et ça permet d'accueillir de belles industries, de beaux sites. Et là, en février, demain, je présente un projet de loi qui sera adopté théoriquement d'ici l'été pour permettre effectivement d'aller plus vite pour faire toutes ces mesures qui nous permettent en fait d'être plus efficaces dans la conduite administrative de ces procédures, sans rien changer au droit, ni de l'environnement, ni de l'archéologie préventive, ni de l'urbanisme. Oui, parce que vous l'avez dit, le problème du temps politique, c'est le temps qu'une loi soit votée, adoptée, passe dans la réalité. Finalement, après, les gouvernements passent et finalement, les réformes trépassent. Voilà. L'objectif, c'est de passer beaucoup plus vite de l'idéation à l'exécution et à la réalité. Et c'est peut-être ça, l'interpellation qu'on entendait tout à l'heure sur le climat. Comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que beaucoup opposent finalement climat, croissance, industrie et lutte contre le réchauffement climatique. Aux États-Unis, par exemple, on peut dire qu'on a vraiment un exemple, un contre-exemple. Alors, est-ce que nous, on peut dire qu'on va prendre un temps d'avance ou alors on est des naïfs qui allons nous faire tailler des croupières par ceux qui ne suivent pas finalement cette nouvelle injonction. Alors deux choses. D'abord, il faut toujours se méfier des États-Unis entre le discours et l'action, parce qu'en réalité, ils ne sont pas très loin de leur trajectoire de Paris, quand bien même ils sont sortis de l'accord. Et c'est un pays intéressant puisque vous avez des dispositifs fédéraux, donc portés par l'administration Trump, en fait, qu'ils n'ont pas remis en question par rapport à l'administration Obama, qui permet d'avoir une incitation fiscale de 35 à 50 dollars de la tonne pour de la séquestration carbone. Je veux dire, c'est gigantesque. Donc, oui, il se passe des choses aux États-Unis. Donc, nous, on ne doit surtout pas s'endormir sur nos lauriers. D'un discours, on a le sentiment que les entreprises sont engagées. Il est très clair que les jeunes ont pris la mesure du sujet, les consommateurs ont pris la mesure du sujet, les entreprises prennent la mesure du sujet, mais il y a une nécessaire accélération. Je vous donne un chiffre. L'Institut de formation des administrateurs publiait une étude en décembre en disant 80% des administrateurs ou 85% des administrateurs considèrent que le changement climatique est un sujet stratégique. Super, bonne nouvelle, tout le monde est au courant, etc. 7% des entreprises, et ce n'est pas les plus petites, hein, puisque c'est l'Institut français des administrateurs, ont fait une étude prospective sur les conséquences du changement climatique sur leur entreprise. Donc, ce n'est pas assez. Et en même temps... Les 7% sont dans la salle. Hein, voilà. Et en même temps, vous avez une chance potentiellement historique si on sait inventer ces nouveaux process de décarbonation, si on sait, parce que derrière le réchauffement climatique, il y a la question de la biodiversité, il y a la question de votre empreinte sur des matières, des ressources rares comme l'eau, il y a le sujet des pollutions. Tous ces sujets-là, si vous savez inventer finalement une nouvelle façon de produire, demain, vous êtes en capacité de capter non seulement les parts de marché françaises et potentiellement européennes, mais également internationales. Donc il y a une redistribution des cartes sous-jacente pour ça. Et tout l'enjeu d'un gouvernement, c'est comment trouver les incitations et un petit peu l'épée dans les reins pour faire en sorte que cette transformation se fasse à un rythme soutenu sans casser la machine. Parce qu'évidemment, le risque, c'est de vouloir imposer des normes trop rapidement, qu'on ne soit pas capable de tenir, et de se retrouver dans ce paradoxe dans lequel nous sommes aujourd'hui, où l'industrie, ces 20 dernières années, a réduit son empreinte CO2 de 40%, l'industrie française.
Globalement, notre logiciel de production français a réduit son empreinte carbone de 20%. Je rajoute la mobilité, la construction, etc., l'agriculture. Et pourtant, notre empreinte carbone a progressé de 11%. Pourquoi ? Parce qu'on importe plus de produits à contenu de CO2 supérieur à si on les produisait en France. Donc, le sujet, c'est, et j'aime beaucoup le point que vous mentionnez, madame, on doit absolument avoir un niveau d'analyse des sujets environnementaux en partant de fondamentaux scientifiques. En partant de fondamentaux scientifiques et en ayant une approche à 360 degrés, parce que... Je ne vais pas jusque-là, hein, les amis. La complexité administrative française ne sera bientôt plus qu'une légende. Ça, c'est une promesse de campagne. Non, je... Non. Mais attention. Oui, mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je l'avais pas dit. C'est pas ce que j'ai dit et je m'engagerai certainement pas sur ça. On va dire que ça, c'est un commentaire. Vous voilà. Savez, dans les journalistes, il y a ceux qui utilisent les faits, ce que disent les gens, et puis il y a ceux qui les commentent. Donc là, on est dans un commentaire. Vous savez qu'on est au-delà de la 100e place dans le classement du World Economic Forum sur la complexité administrative. Donc moi, mon ambition, c'est de commencer par dire, c'est à l'administration de mettre des interlocuteurs face aux entreprises pour traiter cette complexité administrative. C'est-à-dire, j'ai un guichet pour les investissements, j'ai un guichet pour implanter des sites, j'ai un guichet pour accompagner des investisseurs étrangers en France. Voilà. Et je prends sur moi de traiter de la complexité administrative le temps qu'on réforme la loi et tout ça. Je reviens sur votre dernier chiffre. Donc, vous citez, effectivement, on importe aujourd'hui, effectivement, du carbone. Alors, un des grands débats qui n'est pas que français, qui est européen, mais qui participera sans doute de la mise en œuvre de votre pacte productif vert, c'est est-ce qu'on va créer une taxe carbone aux frontières ? Est-ce qu'il faut la créer ? Et à quel horizon on peut espérer le faire sans que ça soit considéré par une mesure comme une mesure protectionniste ? L'objectif, c'est de créer un mécanisme d'inclusion carbone. Ce n'est pas une taxation, c'est un salaire de rien, mais les ça veut dire... C'est comme taxe GAFA, il ne faut pas dire que taxe GAFA... Non. Vous savez que la fiscalité, c'est à l'unanimité en Europe. Un mécanisme d'inclusion carbone, c'est à la majorité qualifiée. Ça change beaucoup de choses. Ça, c'est facile à mettre en place. Tout à fait. Et alors, à quel horizon on peut penser que ce sujet va venir ? C'est un point qui ressort du Green Deal, tel qu'il a été présenté par la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen. Et notre objectif, c'est d'aboutir le plus tôt possible. Et fin 2020 est possible, si on... On est d'accord pour faire ce travail qui est un tout petit peu complexe. Alors, l'objectif, c'est de démarrer sur des biens, on va dire, pas trop transformés ou relativement simples dans leur production, comme l'aluminium, le ciment ou l'acier. Où, en plus, on a un écart en termes d'émissions de carbone de ce qui est produit en Europe versus ce qui est produit à l'étranger, qui est massif. C'est-à-dire qu'on peut espérer un effet de relocalisation plus important d'activité d'une mesure comme celle-là. On peut déjà espérer de sortir dans cette situation de surcapacité, notamment sur l'acier, où vous avez des tonnages très importants qui sont importés en Europe et qui, notamment de la Chine, pour ne pas les citer, rouvrir de la sidérurgie ou en Indonésie et qui ont un contenu carbone qui est nettement inférieur au nôtre. Enfin, je veux dire qui sont plutôt inférieurs, qui est beaucoup plus émet beaucoup plus de carbone. Donc ça, c'est le premier point. Donc sécuriser le devenir de nos sites en Europe, qui sont sous forte tension aujourd'hui, sous grande tension. Et peut-être redévelopper. Mais l'objectif n'est pas de produire pour produire. L'objectif, c'est la concurrence loyale. La concurrence loyale, c'est... Il n'y a pas de raison que les entreprises européennes fassent des efforts pour le monde entier et qu'au moment de gagner des marchés, c'est elles qui perdent parce qu'elles ont fait les efforts et qu'elles ont un coût compétitif de ça. Et c'est l'économie de base. Hein, les externalités positives ou négatives, on doit le retrouver dans les prix si on veut avoir une décision économique dans le bon sens. On dit juste ça. On reste collé serré au principe de l'OMC, collé serré au principe de l'économie de marché, parce qu'il n'est pas question de faire acte de protectionnisme, mais il n'est pas question non plus d'être dans une naïveté confondante quand il s'agit du marché européen et quand il s'agit d'une concurrence mondiale avec des pays comme la Chine ou comme les États-Unis qui, objectivement,
agissent pour gagner des parts de marché et mettre de l'emploi chez eux plutôt que chez nous. Et tout ça est très naturel. On arrive à la fin. Alors, sous le contrôle de mon ami Michel Cabirol, qui est rédacteur en chef industrie à la Tribune, qu'on a vu la brillante interview de Patrice Kane, je dirais, enfin, l'industrie, le changement quand même d'état d'esprit que vous êtes en train de nous décrire, souveraineté européenne, relocalisation, et puis un discours qui n'est plus défaitiste, mais de conquête. C'est ça, en deux mots, la conclusion Oui, transformer pour faire revenir l'industrie. Ma ligne et notre ligne gouvernementale, c'est la reconquête industrielle. D'abord parce que c'est une question de souveraineté. Deuxièmement parce qu'on a une ruse de l'histoire qui s'appelle l'usine du futur et qui permet à des pays, à coût du travail élevé, d'avoir des gains de compétitivité très importants dans des périodes très courtes. Faurecia me disait 12 à 18 mois de retour sur investissement pour des investissements dans l'usine du futur. Du coup, on est repositionné proche d'un marché qui est très intéressant, qui s'appelle l'Union européenne, dans lequel on a quelques facilités de circulation, avec des compétences à capital humain, qui sait potentiellement utiliser l'usine du futur et donc prototyper rapidement, interagir rapidement avec des clients et s'adapter et proposer vite le bon produit au bon prix. Et on voit des relocalisations en France. Alors, là aussi, c'est un combat qu'on ne mène pas seul. On voit l'Allemagne, on voit l'Italie, on voit les États-Unis et la Chine. Les pays émergents sont très largement sortis de l'idée d'être des pays low cost. Mais c'est intéressant parce qu'on est en train de grignoter des points de compétitivité. Et moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est que les entreprises de taille industrielle et les PME s'engagent à toute vitesse dans cette démarche, qui n'est pas qu'une démarche technologique, qui est une démarche managériale, qui est une démarche de capital humain et qui doit être accompagnée. Bon, vous avez bien fait de venir ce soir voir rencontrer une ministre de l'Industrie heureuse. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu à Bercy et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et moi, je vous propose qu'avec Michel, on vienne vous interviewer quand le pacte vert sera un peu plus avancé pour que vous nous en disiez un peu plus. Eh bien, en tout cas, heureuse, mais surtout déterminée. Déterminée parce que c'est assez passionnant de vivre ce moment-là de transformation et de se dire que la main n'est pas si mauvaise et que si on joue bien les atouts, on peut gagner la partie. Merci de ce discours optimiste. Bravo. Merci d'être venu, surtout, conclure avec nous cette soirée. Je repasse le micro à nos chefs adorés et bonne soirée. Je crois qu'on a vécu un voyage au cœur de la transformation absolument passionnant, enthousiasmant, plein d'espoir, qui nous a tous revigorés ce soir. Alors, j'aurais bien tenté quelques mots de synthèse, mais je ne veux pas peser sur la sollicitation de vos attentions. On est déjà très en retard, mais je crois que simplement, on peut quand même se dire ce soir qu'on a touché du doigt, au fond, le caractère absolument pluriel, protéiforme, multifacette des enjeux de la transformation. On parlait évidemment traditionnellement de la nécessité de s'adapter. On parlait bien sûr de la révolution technologique et des besoins de transformer les business models et de rationaliser les éléments de back-office. Vient s'ajouter cet enjeu absolument crucial autour de l'urgence climatique et puis évidemment la responsabilité sociétale qui l'englobe, même si elle ne se limite pas à l'urgence climatique. Au fond, voilà, la transformation est partout, la transformation est d'un niveau d'exigence absolument incroyable et elle pèse en particulier sur les entreprises, sur bien sûr chacun d'entre nous en tant qu'individu, mais on a vu pour beaucoup sur les entreprises et sur les acteurs publics. Et en réalité, le voyage n'est pas facile, même s'il est indispensable et incontournable. À travers cette complexité de la transformation, EY, évidemment, est très fier
d'avoir parmi sa raison d'être, justement, son objectif, d'être là pour vous accompagner, pour nous accompagner, pour vivre ensemble ce chemin vers la transformation. C'est notre raison d'être. Building a better working world, contribuer à un monde économique, à un monde professionnel plus efficace, plus équilibré aussi. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous pour l'année prochaine et tout au long de l'année pour construire ce voyage ensemble. Il sera évidemment de longue haleine, mais comme vient de nous le souligner Madame le Ministre, nous avons la main et nous pouvons gagner. Jean-Christophe. Juste très brièvement, parce qu'il ne faut pas abuser de l'heure, merci cher Eric. D'abord, merci de votre confiance. Merci à EY de faire confiance à la Tribune pour ce EY TD qui est devenu une vraie institution maintenant chaque année et voulu ici par Bruno Le Maire. Et je tiens à remercier toutes les équipes, le cabinet du ministre qui est là, mais également le cabinet et Madame la ministre, chère Agnès Pannier-Runacher. On était il y a quelques semaines avec vous au CIS, avec également toutes les équipes de la Tribune. Donc merci de nous y accueillir. Simplement, cher Eric, le EY TD est un réel succès parce que j'ai rarement vu, je tiens à le dire, et pourtant, j'allais dire, je vois beaucoup de débats à Paris et ailleurs, autant de monde à 21h30. En général, à partir de 20h, vous avez les premiers qui partent, à 20h30. Donc déjà, bravo à vous d'être restés jusqu'au bout. C'est suffisamment rare, vous pouvez vous applaudir. Je voudrais simplement, parce que pour remercier bien sûr tous nos intervenants et nos femmes et nos hommes qui ont été très inspirants, merci à vous toutes et à vous tous. Je voudrais vous remercier bien sûr, cher Eric, parce que vous avez une belle équipe chez EY, parce que cet événement-là, on le prépare pendant des mois. Et je tenais à remercier bien sûr Bertrand Barré, Emmanuel Raveau, Sandra Hurel et Franz Lallemand pour le groupe EY. Et puis bien sûr, remercier mes équipes de la Tribune, toute la rédaction, avec nos directeurs de la rédaction, Philippe Mabille, Michel Cabirol, Jeanne Duceuil, mais également Tatiana Franqueville, qui dirige le marketing et le digital, et puis François Gelbert pour le pôle événementiel. Merci à eux. C'est comme au théâtre, on est à l'heure du théâtre. Pour terminer, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de faire cette EY TD, cher Eric, c'est l'occasion pour nous aussi de nous transformer à la Tribune. Et on va se lancer dans cette volonté d'essayer de réconcilier les Français par l'économie. Et donc, je disais tout à l'heure, partageons l'économie à partir du 27 avril, tout d'abord à la station F. Et nous avons besoin de vous, les entreprises, pour faire cette tournée, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de vulgariser l'économie, de pouvoir rapprocher toutes les générations. Et c'est ce que nous allons faire, la Tribune, en partenariat avec le Média Brut. Donc, je souhaitais vous réserver cette annonce. Mais quand même, à la Tribune, on ne partage pas que l'économie, on aime bien partager aussi des verres. Donc je vous invite au cocktail. Excellente soirée.